Bonjour. Bonjour. Bah alors, ça démarre sur un double raid pendant le générique. Le raid énormissime de Jashugan, le fameux monoraid connu de tout le gauchistan, et le raid de Monsieur Anarchiste. Eh bah, soyez les bienvenus. Soyez les bienvenus. Aujourd'hui, ce sera comme le mardi, stream lecture, avec une petite nouveauté qu'on va tenter. Hop, je fais mes réglages pendant ce temps. À savoir que je vais essayer de faire plus de lecture que ce que je fais d'habitude, donc moins de pré-lecture. Ça me permettra tout simplement de faire, si j'en fais plus le mardi, et ben le vendredi, au lieu de faire un autre stream lecture, ce sera un stream courant. Donc voilà. On va essayer de trouver le rythme au niveau de l'agenda et tout ça, tout ça, tout ça. Alors, donc dans l'ordre, bonjour le Tchak, bonjour Aerosim, bonjour Nagual, bonjour Mo, salut Jashugan, salut Durdenov, salut Monsieur Anarchiste. Non, c'est pas un meeting. Ou c'est un meeting, mais qu'il y a que moi que je suis dans la pièce, donc c'est un tout petit meeting. Parce que pour rappel, Balrog n'est pas insoumis, il est clairement macroniste. Salut Giginou. Salut Morlaix et salut Dogno. Jashu est parti juste avant que Nagual et moi le rejoignions, il nous snob. Bah ouais, mais du coup après c'est plus un monoraid. C'est plus un monoraid après, donc ça détruit un petit peu le principe du truc. On m'a passé un article chez Massier parce que la personne était choquée par l'avancée du FN. Mais moi, ce qui me choque, c'est le pourcentage de les filles qui ont une pensée de droite. Oui, on l'a vu. Où est-ce que j'ai vu ça ce matin? Chez Host, je crois. Je vais relancer un raid pour celles qui veulent raider avec moi. Donio et Pamodo chez Jashugan. Quelle indignité! Quelle indignité. Mais toi aussi, Nagual. Toi qui es le modérateur. Alors, hop. On va faire comme ça. Eh ben, on va lancer les pépites. Mono-meeting, mono-raid. Le gauchiste en devient individualiste. Ah, j'y peux rien, je suis toute seule, là. Je suis toute seule. Ce n'est pas ma faute. C'est pas ma faute. Mais non, c'est pas de l'individualisme, parce que même en faisant un mono-meeting ici, je suis quand même avec vous. Et ça fait plaisir. Trop de pression à force, je vais finir par rendre les couteaux à beurre doux. Ça n'existe pas, le beurre doux. On est donc deux à pouvoir se faire ban chez Jashugan. Allez, les pépites! Donc, 2017, un ministre doit quitter le gouvernement s'il est mis en examen. 2022, un ministre doit quitter le gouvernement s'il est condamné. 2027, peut-être. Un ministre doit quitter le gouvernement s'il est condamné à perpétuité pour avoir massacré des enfants à la hache un soir de pleine lune. Parce que, bah, du coup, déjà, il en aura de moins en moins sous la main. Ça peut être compliqué. Donc. Alors, la République exemplaire. Donc, Alexis Kohler est mis en examen, hein, vous l'avez tous vu. Donc, secrétaire général de l'Élysée mis en examen, ministre de la Justice renvoyé en procès devant la Cour de justice, ministre des Solidarités accusé de viol sous contrainte chimique, c'est plus un pouvoir, c'est un parloir. Oui, République exemplaire. La République exemplaire. Souvenez-vous. Et ah, d'ailleurs, on va faire voyager. Hop là. Voilà, on va faire voyager ce tweet de Sentier Battant. Là. Faites-moi tourner ça avec le hashtag. Pas comme j'ai fait moi, autrement dit.
parce que j'ai oublié de mettre le hashtag. La tristesse. Donc, Bruno Le Maire, enfin un ministre qui nous comprend. Le froid nous fait souffrir, moi aussi, ce col roulé me gratte à mort. Dessin de Sanaga. Alors bien évidemment, hein, cette histoire de col roulé et tout, ça va beaucoup trop loin. Ça va beaucoup, beaucoup trop loin. Je vous demande de vous arrêter. Donc là, très bon résumé. Là, ici, Dupond-Moretti, Alexis Kohler mis en examen, hein, OSEF. Mais n'importe quelle intervention de Sandrine Rousseau... Et même Daniel Obono, je le répète, ne se fait pas autant bully que Sandrine Rousseau. Alors que, bon, il y a une petite panique morale parce qu'elle a osé dire « mangez vos morts ». Elle a dit ça à Daniel Obono, alors « oh, c'est pas bien !» Oh là là, troisième raid de la journée ! Waouh ! Merci Jashugan. Donc oui, Daniel Obono a dit mangez vos morts. Et là, ça a été alors qu'elle a dit ça donc en disant bonjour à tout le monde avec donc astérisque sauf à ceux qui utilisent le combat des femmes iraniennes, enfin le combat des femmes iraniennes contre l'oppression. Pour vous en prendre au combat des femmes en France contre l'oppression, ceux-là, mangez vos morts. Voilà ce qu'elle a dit. La citation n'est pas 100% exacte, mais dans l'idée, c'est ça, surtout le début et la fin. Ce qui me saoule, c'est qu'on fait toujours des sondages à demander aux gens de gauche est-ce que vous êtes d'accord avec ces idées de droite ? Mais on ne demande jamais aux gens de droite êtes-vous d'accord avec ces idées de gauche ? Ouais. Ouais, et puis après, c'est toujours pareil, selon la façon dont la question est présentée. Bon. Pour rire, mon fils s'est renseigné sur la facture de chauffage de l'Elysée et on découvre que c'est chauffé au fioul. Non. Donc l'autre, là, elle a mis plein de pépettes pour de la moquette et des tapis. Et il n'y a pas un moment, ils se sont dit, tiens, peut-être on va changer le système de chauffage qui date de... Pff. Ok. Ok, ok, ok. Elle est fille le fait, oui, c'est elle est fille le fait, c'est ce qui a servi pendant la campagne présidentielle et la première fois que ça a été évoqué, c'est quand il y a eu le meeting dans l'Aveyron, donc c'était en 2021, le sondage sur ce que les gens pensaient des mesures proposées par l'Avenir en commun, sans dire que c'était l'Avenir en commun. Et là, une adhésion, mais phénoménale. C'est pas cher, c'est l'État qui paye. Ouais, mais après ça va donner exemple sur... Attention, parce que quand même, le réchauffement climatique, c'est pas parce que j'ai réuni des gens pour en parler et que j'ai dit que je prenais trois jokers et qu'en fait j'ai tout jeté à la poubelle qu'il faut quand même... Hein, voilà. Parce que, ouais, voiture électrique. Si ça passe pas et que certains s'étouffent, c'est qu'elle aurait dû en plus préciser qu'il fallait les mâcher avant d'avaler. Si quoi ne passe pas ? Ah, pour Daniel Obono, oui, pardon. Oui, c'est vrai qu'elle a pas précisé qu'il fallait bien les mâcher. C'est vrai. Après, l'Elysée, ils s'en foutent, ils payent pas leurs factures. Le général de Gaulle payait ses factures. Le général de Gaulle avait demandé l'installation d'un compteur électrique pour les appartements privés de l'Élysée pour pouvoir payer sa facture d'électricité. Chez Orange, il y avait des têtes qui avaient sauté quand ils se sont débarrassés d'une exception obscure dans un code dont personne ne savait ce qu'elle faisait. Elle évitait qu'on coupe le téléphone à l'Élysée après le nombre normal de relances. Oh merde. Ok. Et là, ça m'a fait rire. Même sur l'école roulée,
Mélenchon était en avance sur le trou, sur le tout le monde. Ce n'est pas un montage. Ce n'est pas un montage. Ça n'a pas été fait après coup. Je suis pas assez douée pour faire un montage sur un bouquin, je vous le dis tout de suite. Donc ça m'avait fait rire. L'hôpital public. 4900 en 2017, 4200 en 2018, 3100 en 2019, 5700 en 2020. Hein, alors que c'était comme ça, et pof, l'année du Covid, et ben c'est là où il y a eu des records de fermeture de lits pendant le quinquennat de Macron. D'où ce petit dessin d'Alan Barthes, le col de la Nupes. Méluche qui essaie de ressembler à Steve Jobs. J'avais pas fait gaffe. J'avais pas fait gaffe. Moi, j'étais partie sur. En fait, quand j'ai vu arriver le bouquin, je me suis dit, tiens, c'est pour pas faire le mec en costard. Parce que politique, costard, cravate, machin, c'est pour changer un peu. Et j'avais pas pensé à Steve Jobs, en fait. Eh oui, ça bouge encore ce truc, tu vas finir par crever, saloperie. Eh oui, ça bouge encore. Hein. De moins en moins. Et donc, 2021, 4300 lits. Mais n'oubliez pas que Gabriel Attal a dit qu'il allait enquêter pour savoir pourquoi des lits avaient été fermés pendant le quinquennat de Macron. Et on n'a pas les résultats de l'enquête encore, alors que ça fait à peu près un an qu'il a dit qu'il allait enquêter. Bon, peut-être qu'il n'est pas doué en enquête. C'est possible. Le ministre de la Justice devant la Cour de Justice de la République, le secrétaire général de l'Élysée mis en examen. Heureusement, le ministre de l'Intérieur est un exemple de probité. Ça va bien se passer. Non, non, ils n'ont pas fini de fermer de lignes. Et salut, Pigboulmister, pardon. Alors ça... je vous ai fait une capture d'écran. Parce que j'ai trouvé ça sur mon fil. Article de Démotivateur. Dans notre relation, je considère que c'est le travail de l'homme de subvenir aux besoins de la maison et celui de la femme de tenir le foyer. Voilà. Voilà, 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 voilà. Féminims. Je crois que Gabriel est coupable de ce qu'on appelle une t'inquiète, je s'occupe de tout. Tu s'occupes de rien et ne s'occupe surtout de rien. Ça me paraît évident. Ça me paraît évident. Alors ça, Marianne. Marianne. Pourquoi cette tendance à qualifier de fasciste toute personne d'extrême droite? Donc moi, j'ai essayé de traduire... Pourquoi cette tendance à qualifier d'oiseau tout être vivant doté de plumes et d'un bec et qui pond des œufs? Pourquoi? Salut Tasmans. Ouais, on se demande, hein. Et donc Triangle Rouge a répondu parce que quand t'aimes Mussolini, fasciste en chef, t'es fasciste. D'autres questions, Marianne? Triangle Rouge, dont la page a été bloquée. A été bloqué hier, aujourd'hui, je sais plus. Enfin, il tacle pas mal. Hop, et ça y est, on a fait le tour. Je faisais la même chose au boulot. Mais j'ai pas réussi à le charger, le son page, s'il a osé, je sais pas pourquoi. J'ai rien où cliquer pour charger. Je peux juste l'envoyer à quelqu'un d'autre par message. Je sais pas. Oui, Prums, il a osé, bien sûr. Je faisais la même chose au boulot quand on me pose une question bête dont la réponse reviendrait à donner un cours de 4 heures de métallurgie pour au final te dire que j'en sais rien et que ça n'est pas une priorité. Alors, dans ces cas-là, j'ai tendance à être assez basique. Et à dire un truc du genre à ton avis du schnock.
C'est simple mais efficace en général. Alors, on va se distraire un petit peu. Se distraire et en même temps entendre des phrases de droitos, parce que des fois, il faut qu'on réponde aux phrases de droitos. Vous savez que ça fait partie des raisons pour lesquelles je montre ce genre de contenu. Même si on est d'accord que Meurice, bah, il est pas nickel surtout. Hop, j'avais vraiment beaucoup, beaucoup zoomé hier. Voilà, mieux comme ça. Donc, la sobriété des riches. On va s'énerver, ça nous fait un entraînement. Souvenez-vous quand Silaosa mettait des trucs à supprimer dans le chat. Quand Gigilou mettait des trucs à supprimer dans le chat pour Silaosa, c'est un entraînement. Ça ne marche malheureusement pas parce que l'interlocuteur à la carte, c'est moi le boss, donc c'est moi qui décide. Ah oui. Oui. C'est vrai. C'est vrai. D'accord. Alors, merci Twitch de me prévenir que Jashugan a lancé un raid sur ma chaîne avec un groupe de deux spectateurs il y a 10 minutes. Je n'avais pas remarqué. Ils auraient le temps de partir cueillir des champignons, les faire cuire et faire une tarte aux pommes. Et se faire un bon petit gueuleton avec tout ça. Et là, après, je suis prévenue. Merci Twitch. Et oui, ceci dit, Donio, on va re-regarder ça. Pas aujourd'hui. Mais ouais, ceci dit, comme tu me l'as posté par ailleurs, j'ai pas besoin de cliquer pour retenir le lien, puisque je l'ai à portée de main. Donc, allons-y. Soyez prêts, soyez prêts. Guillaume Meurice, Oui, vous traînez vos basques dans les rues, Mais vous. tout à fait, je vais vous parler sobriété aujourd'hui. Alors, Charline, calmez-vous. Ça ne concerne pas Ça va le son? l'alcool. Vous pouvez Ah. rebrancher votre perfusion au vin chaud. Je vais vous parler sobriété énergétique, économie d'énergie. Alors, en ce moment, ça se bouscule au sommet de l'État. Hein. On a tous vu les images. Bruno Le Maire met des cols roulés. Gilles Legendre a ressorti son étendoir à linge. Gérald Darmanin se déplace moins en avion. Hein, il a dit. Alors, comme on a une mauvaise langue dans le chat, mais je ne dirai pas qui c'est, je n'ai pas dit de faire une tarte aux pommes avec des champignons. La tarte aux pommes, c'est le dessert après les champignons. Mais vous remarquerez que je ne poucave pas, je ne désigne pas comme cible la mauvaise langue qui interprète aussi mal mes propos dans le chat. Je n'ai pas dit qui c'était. Parce que la gauche, n'agit pas comme ça. Merci. Il limite son nombre de viols. De vols! Oh là là! Oh là là! Oh là 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 là! On attend donc avec impatience Gérard Larcher en slip tricoté à la main. En attendant à Paris, une carte a été éditée et oh surprise, c'est dans les quartiers riches qu'on pollue le plus! Non! C'est pas vrai! C'est vous qui avez fait cette carte. La surprise est totale! Alors, qu'est-ce que j'ai fait? Je suis allé dans les quartiers riches de Paris, ce que Thomas Croisière appelle chez moi. Voilà! Non, pas toi, Nagual. D'abord trouvé ça, ça vente pas sur un monsieur stationné au volant d'une Porsche, une belle Porsche. Alors est-ce qu'il est prêt à faire des économies d'énergie? Est-ce qu'il est prêt pour la sobriété? Pourquoi pas? Qu'est-ce que vous allez faire alors comme économie? Je n'ai rien prévu. Ça a pas l'air de vous passionner ce sujet de sobriété. Vous n'allez pas moins prendre votre Porsche alors? Non. Mais je la prends surtout pour partir me promener, me balader. Bah parce oui, que normal. J'aime beaucoup les voitures. Se promener, se balader, parce que bien évidemment. Ben un bourgeois, il a besoin de se promener, de se balader. C'est pas comme les pauvres, là, soit ils n'ont pas de fric pour mettre du carburant, soit ils n'ont pas le temps parce qu'ils font un, voire plusieurs boulots pour pouvoir mettre du carburant, pour pouvoir aller bosser. Le bourgeois, il a le temps de se balader, lui, c'est un besoin pour lui. Loisir des bourgeois, oh, ça va maintenant? Je collectionne les voitures anciennes et j'entends qu'on me foute la paix. Voilà. Et j'entends qu'on me foute la paix. Salut Léo Géco. Tu peux aimer les voitures et faire des efforts aussi? Oui. Faut pas dire j'aime pas avant d'avoir goûté des trucs, j'imagine.
même quand ça a l'air dégueu, de prime abord peut-être mangeable. Oui, oui, Josh Hogan, prisonnier de l'Angleterre, on le rappelle. Hein. Salut, ça fût-il. Bah, les pauvres, ils sont toujours à faire leur tour de Paris le tour de Paris sur leur vélo à faire des livraisons. Ouais, aussi, non, mais surtout, il entend qu'on lui foute la paix. Ça sert à quoi d'être bourgeois si c'est pour être emmerdé par un mec avec un micro qui va essayer de lui faire comprendre que peut-être il est responsable? Ça sert à quoi? Ça sert à quoi d'être riche si on peut pas envoyer chier les prolos? Hein, franchement? On s'en fout qu'ils crèvent les prolos quand on est riche, du moment qu'il aura suffisamment pour nous servir. Ça va maintenant? Une collègue de ma femme, je veux pas qu'on me juge pour mes 11 allers-retours par an vers le Maroc en avion. Presque une fois par mois, quoi. Alors que les riches, ils sont enfermés dans leur bureau dans le 16e, avoir de l'argent qui tombe, c'est dur à la langue. Mais oui, oui, allez-y, vous comptez des milliards, allez-y, vous savez pas ce que c'est. Bon, c'est pas vous qui les comptez, mais quand même. Puis, après, entendre des choses aussi dégradantes de la part des gauchistes, toujours à accuser, comme ça, tout. Non, c'est pas cool, c'est pas cool. Salut, Erol. Voilà, parce que chacun ses passions. Hein, et foutons la paix aux riches. Voilà, les pauvres, ce qu'ils aiment, c'est collectionner les croûtes de fromage ou les maladies respiratoires. Est-ce qu'on va les culpabiliser? Non, c'est chacun sa passion. On fout la paix aux riches et leur collection de voitures de sport. Chacun son truc, pas d'autophobie, on l'a dit, n'est-ce pas? Non, excusez-nous d'avoir des grosses voitures. Mais je ne baisserai pas mon chauffe. Oui, c'est vrai que je l'ai faite ce matin, Nagual. C'est vrai. C'est vrai que d'habitude... Je refais pas en stream les blagues que j'ai fait dans le chat des autres streameuses. Et là, ça s'appelle un flagrant délit. Tu as raison de le souligner, Nagual, tu as raison. Normal que t'aimes pas te promener en voiture avec ton Opel Astra. Tu vois que t'es au bout. Non, ça va, c'est une erreur. C'est une erreur en plusieurs mois de stream, ça va, c'est bon, ça va. On l'a dit, n'est-ce pas? Non, excusez-nous d'avoir des grosses voitures. Mais je baisserai pas mon chauffe. Pardon, chauffe, hein. Non, 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 non. Mais est-ce qu'il faudrait pas rendre les riches moins riches? Comme ça, ils pollueraient moins. Non, moi je suis pas d'accord. Non, il est pas d'accord. Il est pas d'accord, écoutez. Il veut pas. Tu vas pas l'obliger quand même. Parce que bon, hein. Mais voilà, comme il disait, excusez-nous d'avoir des grosses voitures. Pardon, hein, pardon. Pardon d'aimer les grosses voitures et d'aimer les jets privés et d'aimer les yachts et d'aimer les trucs comme ça qui polluent. Pardon, no king shame. D'accord? Pardon, hein. Et ce qui est rigolo, c'est que juste après, il enchaîne sur « mais je baisserai pas mon chauffage ». Pourquoi le « mais » Alors... c'est pas pour faire ma fanate syntaxe, priez pour nous. Quand tu mets un mais au milieu de la phrase, ça veut dire que tu vas dire le contraire de ce que tu as dit avant. Donc ce morceau-là de la phrase et ce morceau-là de la phrase, normalement ça doit pas aller dans le même sens. Donc pardon d'avoir des grosses voitures, mais je baisserai pas le chauffage, d'un point de vue grammatical, ça ne fonctionne pas. Bon, alors d'un point de vue social, écologique, tout ça, on n'en parle même pas, mais même au niveau grammatical, ça ne fonctionne pas, ça ne marche pas. C'est quoi le bail avec les Astra, à part que c'est des voitures de merde? Sans doute parce que, arrêtez-moi si je me trompe, j'y connais que dalle en voiture, et puis je m'en fous un peu des voitures. Hein. Pour moi, c'est un truc qui sert à déplacer, mais je projette aucun fantasme dessus. Je pense que le bail avec les Astra, c'est que c'est une voiture qui n'est plus produite depuis longtemps, donc c'est forcément une vieille voiture. Donc c'est une voiture de pauvre. Parce que les riches, à la limite, ils ont des voitures de collection, mais c'est pas des vieilles voitures. C'est des voitures vintage. De collection. Le pardon peut amener le mais... Ouais, mais là, c'était pas un pardon dans ce sens-là.
qu'ils en font toujours des astras. Oh merde. Ok. Bah, je vous ai pas menti, j'ai dit que j'y connaissais rien en bagnole. Moi, ça faisait nom de vieille voiture. Je voyais l'Opel Astra, tout ça, machin. Mais bon. Je vous ai pas menti, j'y connais que dalle. Pourquoi ? Parce que le riche est fait pour être riche, le pauvre est fait pour être pauvre. Oh non ! Il est riche, c'est fait pour être très riche. Il est pauvre, c'est fait pour être très pauvre. C'est bien ça. On pourrait imaginer qu'on redistribue un peu mieux les richesses. Non. Non, pas envie. Citation de Louis de Funès, la folie des grandeurs. Non. Il cite les grands auteurs. Voilà, comme quoi, allez, ça marche encore. Voilà. Vous avez entendu, donc les pauvres, c'est non, il n'y aura pas de redistribution. Des os, pas des os. Hein, comme on dit, c'est d'ailleurs le slogan du MEDEF. Des os, pas des os. Parce que les riches, ils en ont marre. Ça commence à me gonfler. Non, le slogan du MEDEF, c'est pas des os, pas des os, c'est pas des os. C'est il y a l'autre slogan, c'est va te faire foutre, et le troisième c'est dégage. Je crois que c'est les trois slogans principaux. Parce que nous on essaye de faire au mieux, de pas consommer beaucoup d'énergie, etc. Moi j'habite dans le 16e. C'est maman. On dit que c'est dans les quartiers riches que ça pollue le plus. Bon, non, je crois pas, ça m'étonnerait. Hein. Oh non, c'est mais pas... ça, c'est Hidalgo, ça. C'est Hidalgo. À tous les coups, c'est Hidalgo. Hidalgo, elle a deux passions, faire chier les riches et faire perdre 12 points à la gauche à chaque fois qu'elle ouvre la bouche. Et elle est vraiment forte dans vraiment les deux. En tout cas, le gaspillage, c'est pas les riches. Non, je crois pas, parce que je vois par chez moi, les femmes de ménage, elles font pas attention... Elles achètent un sandwich, elles en jettent la moitié. C'est pas mignon, ça. Non, parce que je vois chez moi les femmes de ménage, elles font pas attention. Elles achètent un sandwich, elles en jettent la moitié. Jamais vu ça non plus. Ceci dit, je n'ai pas de femme de ménage. C'est peut-être quand tu as des femmes de ménage à toi que tu les vois jeter la moitié de leur sandwich. Je connais des femmes qui sont femmes de ménage, mais c'est pas les miennes. Donc c'est peut-être pour ça. Bon. Ça veut aussi dire que chez elles, les femmes de ménage, à midi, c'est sandwich. Peut-être parce qu'elles sont pas super bien payées. Bah, quand on est à court d'argent, on garde pour le soir. Oui, c'est les pauvres qui gagent. Oui, je crois. Je crois aussi. Quand on est à court d'argent, on garde pour le soir. Mes femmes de ménage, je les paye à coups de lance-pierre. Je sais qu'elles sont mal payées parce que je sais qu'elles sont en cours d'argent. Mais quand même, merde, elles ne devraient pas gaspiller la moitié de leur sandwich puisque je les paye mal. Donc elles ont besoin de cette moitié de sandwich pour le soir pour partager avec leur mari et leurs enfants. Elles sont pas raisonnables. Manquerait plus qu'elles les payent bien pour avoir à bouffer le midi. Bah ouais, faut pas déconner, non ? Études scientifiques sur le sujet, en tant que ma propre femme de ménage, je jette jamais de bouffe. Moi, je pense que ton étude scientifique, elle est aussi carrée et basée que le sondage que j'ai fait l'autre jour. Donc, je te crois, Nagual. Je te crois. Source Nagual, moi, ça me va. Si l'on en croit la gabegie des pauvres, hein, qui mangent qu'une moitié de sandwich et qui jettent. Non, mais c'est votre quotidien. Mais je suis d'accord, ils jettent même les filtres des cigarettes. Mais c'est incroyable. Mais c'est vrai, j'ai vu un SDF cracher par terre, c'est fou. Ouais, quand on n'a rien pour boire, on gaspille pas comme ça. Ils finissent pas leur 8-6. Non, mais ça. Bon, et puis entre riches et pauvres, c'est compliqué à définir. Les riches, qu'est-ce que c'est ? À partir de combien on est riche ? Moi, je trouve de 30 000 par mois. À partir de 30 000, on est riche. Oui, je crois qu'on peut voir. Mais en dessous, non ? Non, en dessous. Il y a des gens qui sont très aisés, mais qui sont pas riches pour autant. Hein. Non, de toute façon, la vraie richesse, elle vient du cœur. Je suis désolée, mais à partir du moment où moi, je viens de vous dire que j'avais des femmes de ménage, à partir de ce moment-là, je crois que je vous ai quand même bien situé le niveau de revenu
Parce que, bon, alors, en dessous de 30 000 euros, évidemment qu'on peut avoir quelqu'un pour faire son ménage. Mais c'est quoi ? C'est une femme de ménage, tout au plus. Tout au plus. Moi, je vous ai dit que j'en avais plusieurs. Donc, en dessous de 30 000 euros, je ne suis pas concernée, monsieur. De quoi me parlez-vous ? Quand on parle gaspillage, je ne sais pas si un sandwich est la première chose à laquelle j'aurais pensé. Ouais, pareil. Alors, je dois vous l'avouer maintenant, ça m'est arrivé une fois de jeter un sandwich et plus de la moitié, en fait. Parce que c'était avant une manif, j'avais bien demandé à la boulangerie s'il n'y avait pas de poivre, de trucs comme ça. J'avais dit que j'étais allergique aux épices. Et donc, on m'avait certifié que voilà, machin. Je commence à manger le sandwich et il y avait du poivre dedans. Je me suis dit, c'est super parce que comme ça, je vais être malade pendant la manif. Ça va être formidable. Et je me suis dit, tant pis, j'aurai la dalle pendant la manif parce que j'avais pas le temps de retourner acheter un sandwich, le manger et voilà, j'étais un peu short. Donc j'ai mis le sandwich dans mon sac, seulement, il faisait chaud, et le sandwich le soir, je l'ai jeté, alors que j'avais mis deux crocs dedans. Hein. Mais étant donné qu'il puait la mort, en fait, parce qu'il avait passé 4 heures au chaud dans mon sac, je sentais assez mal le coup de le donner à Monsieur Chéri. Pardon de penser à sa santé. Non, mais on est d'accord que c'est n'importe quoi. Si c'est un saut des beaux, c'est pas vraiment un sandwich que tu jettes. Non, c'était un bon sandwich de boulangerie et tout. Hein. Salut Camdoc et Jelly. Il m'arrive parfois de jeter les sandwichs, mais parce que c'est con, ils mettent de la mayonnaise et ou de la moutarde sans prévenir. Bah moi, quand je peux le donner, je le donne si je le mange pas, mais... En retard à une manif, une notion qu'on ne connaît pas à Paris. Non, mais là, je faisais partie des co-organisateurs. Ça la fout un peu mal quand t'es pas là pour accueillir les gens. Donc, salut Camdoc et au revoir, je te banne pour anti-mayonnaisisme primaire. Non, Nagual. D'abord, son anti-mayonnaisisme, il est peut-être secondaire, tu sais pas. Et sur une chaîne où j'estime qu'il est important que je puisse dire que je n'aime pas les poireaux, eh ben c'est important que Camdoc puisse dire qu'il n'aime pas la mayonnaise. Je ne vous dis pas, vous, de ne pas manger de poireaux, et Camdoc ne vous dit pas de ne pas manger de mayonnaise. Donc ça ne mérite pas un ban, je suis désolée. Et un monsieur chéri sauvage est apparu dans l'appartement. Coucou. On le sait, hein, c'est ce qu'on dit aux techniciens de Radio France qui demandent des augmentations. C'est un métier passion, hein, vous métier avez. Passion. Hein. Métier passion, vous avez déjà de la chance de voir Nagui en vrai, donc calmez-vous. Et puis de croiser Pierre Arditi 54 fois par an, parce qu'à chaque fois il m'invite. Alors c'est pas un reproche, parce que moi aussi j'ai des invités fétiches dans mes chroniques, dont un que vous connaissez, Roger. Ah non, Roger. Ah ben voilà, même le lundi maintenant. Il a un avis sur comment devenir sobre énergétiquement. Salut Durdanoff, merci. Quelle moutarde ou ça, de la moutarde ? Alors, c'est pas pour me vanter, mais Monsieur Chéri, il a trouvé de la moutarde l'autre jour en faisant des courses. Alors, c'est pas de la moutarde française, hein, faut pas déconner. Mais, il en a trouvé. Roger, pas un mercredi, ouais. Oui, c'est un goût de moutarde, par contre. C'est, ça vient de Pologne, hein, c'est ça ? Hein, c'était Pologne ? Ouais. C'est un goût de moutarde. Bravo, Monsieur Chéri. Monsieur Chéri fait des miracles. Eh bien, déjà d'une, pour couper l'électricité aux écolos. Pourquoi ? Ben parce que c'est des cons. Et ben voilà, Roger, ministre de l'écologie, hein, on coupe l'électricité aux cons. Alors là, vous allez voir, on va être un pays exemplaire si on fait ça. Voilà, c'est on aura ça. Un bilan carbone négatif. Allez, concluons avec Roger. Oui, c'est vrai que couper l'électricité aux cons, je pense qu'on peut la couper à tout le monde parce qu'on est tous le con de quelqu'un. Ce qui est une mauvaise nouvelle, c'est quand on est le con de beaucoup,
beaucoup, beaucoup de gens, genre de la majorité des gens, là, ça peut commencer à puer un peu du cul. Mais on est tous le compte quelqu'un. Donc on coupe l'électricité à tout le monde. Ouais, ça fustile, on galère pour la moutarde, ouais. Après, ça dépend des endroits en France. Il y en a qui en trouvent, mais... Et là, c'est de la sous-moutarde qu'il a trouvé. Hein. Watch me acheter ma moutarde par kilo depuis des années. Qui dit ça ? Nagual. Il dit... Monsieur Chéri a dit connard. Avec un K. Avec un K. Non, parce qu'il a dit, je plaisante, je suis tellement stuffé en moutarde que je pense à l'introduction en bourse. C'est... Nagual, c'est le survivaliste de la moutarde. Les cons n'ayant pas la lumière à tous les étages, est-ce qu'ils sont pas un peu écolos du coup? Ah, c'est bien vu, Jelly. C'est bien vu, salut Madame Machin. Merci Anarlex pour le follow, bienvenue. On n'en trouve pas juste parce que les supermarchés veulent pas payer le surcoût. Surcoût corsaire breton, comme chacun le sait. Allez, on reprend. Projet sur les riches. Mais les riches, il en faut des riches, écoute. Est-ce qu'on est d'accord que les riches polluent plus que les autres? Moi j'ai un doute. Ouais. Moi j'ai un doute. Parce qu'il faut quand même attention. Les riches? Oui, quand même. Certains. Il y a des riches qui sont bons, hein. Je dis une chose. Est-ce que les riches sont trop taxés en France, Roger? Oui. Et vous avez noté ce qu'il vient de dire Roger, c'est très important. Je crois me souvenir que Roger, qui est retraité maintenant, il était boucher à la base. Quand il vous dit il y a des riches qui sont bons, ça veut dire qu'on peut les manger. Je suis désolée, moi, quand un boucher me dit ça c'est bon, je veux bien le croire. Quel corsaire le surcoût, c'est pas un malouin des fois? Ouais. Ouais, ouais. Pas de soucis pour en trouver chez moi, mais j'aime pas. Eh ben, fais tourner, vas-y. T'achètes pour les copains, puis tu l'envoies. Et toi, des connards, là, je vais encore parler des connards qui nous gouvernent depuis 50 ans. Ouais. Ces connards-là, depuis l'ordure de Mitterrand, de toute façon. C'est Roger, voilà, il est écolo parce qu'il recycle quand même pas mal ses discours. Ça, c'est de l'idéologie circulaire, il tourne un petit peu en boucle. Mais ceci dit, il a raison sur un point, en allégeant les taxes des riches depuis 50 ans, les politiques font de la merde, et c'est de la merde même pas compostable. Merci. Guillaume Meurice, merci Guy. Voilà, donc... Moi, je pense que c'est open pour manger les riches à partir du moment où un boucher très connu nous dit que c'est bon. Ça veut dire qu'on peut y aller. Pépouze. Avec ou sans moutarde. Pardon. Ah, mais le point Mitterrand, c'est contractuel. Hein. Il diffuse pas Roger s'il n'y a pas le point Mitterrand, je pense. Donc, maintenant, ce que je vous propose, avant la lecture... On va se mettre un petit coup de Monique. Parce qu'un petit coup de Monique, ça fait toujours plaisir. Alors, on va essayer d'agrandir un peu ça. Genre là, comme ça, on sera... Là, on sera pas mal. Là, on sera pas mal. Sans doute obligé, sinon il nous couvre un truc, le Roger. Ah mais clairement, clairement. Allez, c'est parti pour un petit coup de Monique. Une personnalité vient nous parler de son actualité, de sa vision de Paris. Aujourd'hui, nous sommes avec la sociologue Monique Pinson-Charlot. Bonjour. Bonjour. Spécialisée... Non, alors, tu arrêtes, j'ai jamais demandé ça. Moi, je voulais juste faire ça. Dans l'étude de Paris et de sa population... À y arriver, hein. Vous venez nous parler de la nouvelle édition de Paris 15 promenades sociologiques parue chez Payot, coécrit comme d'habitude avec votre mari Michel. C'est et pareil, hein, le son, si vous voulez, plus fort, moins fort, vous me dites. Michel Pinson, donc depuis près de 30 ans, vous scrutez tous les deux à la loupe l'évolution de la capitale, de ses catégories sociales. C'est le cas là aussi, Monique Pinson-Charlot, mais plus sous forme de guide.
Oui, c'est ça. On a décidé d'organiser des promenades sociologiques, des promenades urbaines dans Paris, puisque Paris est une petite capitale de 105 km², c'est-à-dire qui est à l'échelle parfaitement de la marche à pied. Aucun point n'est à plus de 5 km de la cathédrale Notre-Dame de Paris. Donc voilà, c'est une capitale très diverse socialement, sur le plan culturel, architectural. Ouais. Donc il y a une diversité qui est à l'échelle de la marche à pied. Du coup, c'est que du bonheur. 15 itinéraires. Hein. Alors, vous mettez en avant le sentier, la Goutte d'Or, la gare Saint-Lazare. Comment s'est faite la sélection de ces itinéraires ? Ben, il fallait qu'on ait des quartiers un peu emblématiques de ce que nous voulions montrer au niveau sociologique. Alors notamment l'embourgeoisement de Paris avec le quartier Saint-Antoine où désormais le génie de la Bastille veille sur des, non plus sur les ouvriers ébénistes, mais sur des gens beaucoup plus tendances. Là, je vais cacher la cam parce que je m'apprête à m'adonner à la droge. Légal, mais droge quand même. Et s'il y a des gens dans le chat qui sont en phase d'arrêt, bah, je ne vais pas les embêter avec tout ça. C'est une vidéo qui n'est pas récente, hein, elle a 9 ans, mais ça fait toujours du bien un petit coup de Monique. On va pas se mentir. Surtout avant d'attaquer la lecture des patates chaudes, elle va nous parler des bourgeois, de tout ça. Donc je me suis dit que ça faisait plaisir. On se partit. En bourgeoisement aussi avec la boboisation de Paris et les cafés bobos de la rue Oberkampf. Et puis le rôle des gares comme la gare Saint-Lazare qui construisent Paris mais le déconstruisent le soir lorsque les centaines de milliers, si ce n'est les millions de banlieusards retournent dans leur banlieue. Le sentier pour montrer que les juifs séfarades d'Afrique du Nord sont venus s'installer dans les années 50-60 comme ça au cœur de Paris dans la confection et que ça a marché, créant une espèce de Médina bis. Montrer donc la diversité, montrer aussi que bah, la diversité sociale de Paris est de plus en plus menacée. Elle est tout à fait menacée, là, parce qu'il y a eu un processus de désindustrialisation de la ville de Paris. Je n'arrive pas à vous donner les chiffres, parce que je ne les ai pas révisés avant de venir, mais c'est absolument hallucinant. C'est-à-dire que Paris s'est désindustrialisé à une vitesse inimaginable. Sans compter que bah, c'est assez simple. De chasser les moins riches de Paris, il suffit d'augmenter les loyers et de faire en sorte qu'on ne puisse plus vivre avec un loyer dans certains quartiers, ceux dont on a décidé qu'ils seraient privilégiés. Il suffit de rendre ça difficile, voire impossible, et paf, les pauvres en banlieue, enfin les moins riches. Et du coup, les ouvriers sont partis vivre en banlieue toujours plus lointaine, toujours plus loin dans la périphérie. Et leurs quartiers ont été occupés massivement par ceux qu'on appelle des bobos, c'est-à-dire des jeunes salariés diplômés, aisés, qui se sont réappropriés des valeurs d'usage urbain qui avaient été conçues pour des ouvriers. C'est ce qu'on appelle le processus de gentrification, c'est-à-dire on a tout à la fois un changement dans les valeurs d'usage urbain et dans les habitants. Est-ce que la flambée des prix de l'immobilier est la seule raison, la seule cause ? Ben, elle était, on ne sait pas où est la poule, on ne sait pas où est l'œuf. Mais dès que vous plantez un arbre dans Paris, le prix du mètre carré autour de l'arbre monte. Dès que vous mettez des vélib ou des pistes cyclables ou des zones piétonnières, voilà, vous croyez bien faire. Et en faisant bien, effectivement, vous contribuez à faire monter l'immobilier. Monique. Il y a aussi, je ne sais pas si vous avez remarqué, mais ça se passe au niveau de plusieurs villes, et pas forcément les plus grandes villes, hein, les villes moyennes, ça marche aussi. Si ma pinte vaut 30 euros, c'est que je suis au bon endroit, c'est ça ? Ouais, c'est ça. C'est, des fois, vous avez des initiatives citoyennes qui sont, je sais pas, du genre des cafés philosophiques, des bars à jeux ou à lecture, des bars à chats, des choses comme ça, des lieux de vie, où il y a un coup un spectacle, un coup une expo d'un artiste urbain pas connu, etc., etc. Et petit à petit, les bobos viennent squatter ce genre d'endroit parce que ça leur plaît, parce que ça leur parle.
Et finalement, quand il y a plusieurs endroits du genre qui se créent dans un quartier, eh ben, ils trouvent ça super sympa et ils viennent de plus en plus habiter dans le quartier en question. Ça se passe beaucoup aussi dans les villes où il y a des facs, dans les quartiers étudiants. Et bah, les quartiers étudiants, ils sont près des facs. Bah ouais, c'est logique en fait, c'est parce qu'ils vont à la fac. Et comme il y a plein de trucs très sympas, il y a des bobos qui viennent s'installer dans ce genre de quartier. Exemple Lyon, ouais. Et très rapidement, les quartiers en question, ça fait monter l'immobilier parce qu'il y a beaucoup de transactions immobilières qui sont faites. Parce que les municipalités voient qu'il y a des gens... des CSP plus qui viennent s'installer dans tel ou tel quartier, donc ils font des améliorations de quartier, et du coup bah, les étudiants, démerde-toi, non tu vas loin, là, pas cher machin, loin. Et ça se passe, c'est quasiment, ça suit quasiment toujours le même schéma en fait, quasiment voire toujours je pense. Dominique Pinson-Charlot, sur quoi vous êtes appuyé? Parce que vous dites que vous avez passé de longues années à vous balader, à vous promener. Mais qui vous avez interrogé sur place? Vous étiez là, vous questionniez les habitants, les gens dans les boutiques? Oui, alors notre méthode avec Michel, c'était par exemple de s'installer une semaine dans un hôtel au Sentier. Alors bien entendu, on choisissait un hôtel dont le patron était lui-même entrepreneur dans le Sentier et avait donc des entreprises de confection et de vente de vêtements au Sentier. Et du coup, au bout d'un jour ou deux, on pouvait travailler avec lui, nous donner plein de conseils. Voilà, on a fait pareil à la Goutte d'Or, toujours le même système. On s'installe une semaine dans un hôtel et puis du matin au soir... Et du soir au matin, et le jour et la nuit, on vit vraiment, on quitte tous nos problèmes, on devient touriste, des sociologues touristes, on est comme des enfants disponibles pour découvrir, pour voir ce que d'ordinaire on ne voit pas, parce qu'on regarde ses pieds, on marche vite et tout ça. Donc voilà, et puis on s'appuie beaucoup sur des statistiques, sur toutes sortes de documents, pour que le travail soit intéressant, sérieux et irréprochable. Alors à chaque promenade, il y a un plan, un itinéraire. Ça s'adresse à qui exactement, ce guide ? Ben, il s'adresse à nous, on voudrait que ça s'adresse à tout le monde, parce qu'il est écrit d'une façon très lisible. C'est notre fils qui a fait les itinéraires et les photos. Et parce que c'est pas métronome, donc c'est pas du bullshit tout le long, parce que c'est pas Laurent Deutsch qui l'a écrit. Voilà, mais en même temps, tout le monde ne s'intéresse pas forcément à la sociologie de Paris, parce que la sociologie, ça veut dire que nous, on donne les clés pour comprendre les corps, pour comprendre les formes architecturales, les formes urbaines, montrer que c'est pas pareil de se promener à Barbès que de se promener à avenue Victor Hugo. Bref, qu'à Paris, on n'arrête pas de marcher des patrons aux ouvriers immigrés, enfin... Ceci dit, quand on voit l'engouement des livres sur l'histoire de Paris et sur tous les plans historiques de Paris, ça complémente bien finalement ce que vous proposez, Monique Pinson-Charlot, parce que de temps en temps d'ailleurs, il y a des références historiques, et pour comprendre ce qu'est par exemple le Sentier aujourd'hui, ce qu'est la Goutte d'Or aujourd'hui ou ce qu'est la gare Saint-Lazare aujourd'hui, il faut regarder en arrière. Oui, c'était un petit peu une ambition qu'on avait, Michel et moi, de faire un peu comme Louis-Sébastien Mercier, d'arriver à laisser aux générations futures un état vivant de la ville de Paris. Pas un état austère, ennuyeux, mais un état ludique, je ne dirais pas amusant, mais après tout, on peut faire de la science sans s'ennuyer mortellement. D'ailleurs, c'est un peu comme une chasse au trésor quand on regarde votre page, parce que vous dites derrière le numéro 4, regardez la petite porte et allez dans le petit couloir au fond à droite. Donc, il y a un petit peu ce côté chasse au trésor aussi. Oui, il y a un côté aventure. Et c'est vrai que nos lecteurs nous sont très reconnaissants, puis que nous, on a du plaisir à le faire, à être pris par la main d'une façon sympa, pas prétentieuse. Voilà, on va vivre une aventure ensemble. Et puis pour nous,
Michel et moi, c'est agréable, puisque c'est un livre, donc on n'est pas obligé d'être sur place. Parce que par ailleurs, on a organisé beaucoup, beaucoup de promenades dans Paris, mais c'est très, très fatigant. Alors, Monique Pinson-Charlot, on peut prendre quelques quartiers hein, qui témoignent du changement. La Bastille, par exemple, pour vous, c'est vraiment l'arrivée de l'opéra qui a transformé le quartier hein. Ah ben, l'opéra a été un élément absolument décisif dans la transformation de ce quartier. Comme Beaubourg a été aussi un élément décisif dans la transformation de ce quartier central de Paris, le Forum des Halles, tout équipement de cette taille, en plus quand c'est lié à la culture et à la culture dominante, l'opéra, qui est quand même très lié aux familles fortunées des beaux quartiers, comme pratique culturelle. Voilà, ben ça, c'est évident que ça produit des effets plus ou moins rapides, mais en tout cas sans conteste. Est-ce qu'on... Oui, alors Métronome, c'est pas une balle perdue hein, que j'ai envoyée, c'était tout à fait volontaire. Non seulement c'est de la merde, mais c'est aussi un manifeste royaliste et d'extrême droite, pléonasme. Donc il y a aussi ça qui joue. Surtout la démolition de la vieille gare de Bercy qui était en ruine. Là, tu me parles d'un truc que je connais pas trop. Alors, je remonte un peu. Les gens qui achètent des appartements autour des universités, ce sont des personnels d'université. Les profs, ils ont de la thune. Les techniciens personnels de support, ils vivent à une heure en bagnole de la fac. Oui, moi, je parlais de location tout à l'heure. Je parlais pas d'achat. Ah, la Bastille avant l'opéra, ok. De la thune ou juste une meilleure situation au niveau de l'emploi qui leur permet d'avoir un prêt. Ouais, aussi, ça peut jouer. Ça peut jouer. L'emploi stable, ça peut aider. Donc ne lisez pas Métronome. Ou alors faites-en le même usage que Pic Bull Mystère. Si vous avez des difficultés à vous endormir, ça peut aider. Ça peut aider. Mais ne l'achetez pas, ne l'achetez pas, ne faites pas gagner de sous à Laurent Deutsch avec Métronome. Et ben, quand vous n'avez plus de difficultés pour dormir, on ne sait pas quand il y aura la prochaine pénurie de PQ. Ça peut servir aussi. Oui, le prix des loyers est lié au prix du mètre carré, oui. Tout en fait. On peut lutter contre cette boboisation de Paris ? Ben, c'est ça qui est vraiment très difficile. Alors, la seule façon qu'on a pour lutter contre cet embourgeoisement de Paris qui est profondément injuste, parce que déjà, si on est rejeté socialement avec un petit salaire, un petit SMIC, et puis qu'en plus, on est rejeté dans l'espace, toujours à la périphérie, pour bien vous faire comprendre que vous n'avez pas droit aux richesses et au pouvoir du centre, alors là, ça ne va pas. Donc, il n'y a qu'un seul et unique moyen, c'est le logement social. Et la redistribution. Vous comprendrez bien que de toute façon, les pauvres, la culture, ils s'en foutent. Parce qu'ils n'ont même pas la connaissance nécessaire pour l'apprécier et ils n'ont pas les qualités pour apprécier le côté esthétique de la chose. Donc, on s'en fout. La culture, c'est pour les riches. C'est les riches qui sont capables d'apprécier un beau patrimoine architectural. Les pauvres, ils ne savent pas faire ça. Regardez où ils vivent, les pauvres. Ils vivent dans des HLM tout pourris avec des traces de je sais pas quoi sur les façades. Ça se voit qu'ils n'aiment pas la belle architecture. Et quand c'est pas un HLM tout pourri, quand c'est un moyen pauvre, ben c'est une maison phénix à 2 balles que quand tu fais ça, il y a un trou dans le mur. Ils n'apprécient pas le patrimoine architectural. Donc, ils n'ont rien à foutre en centre-ville. Laissons le centre-ville aux gens qui sont à même de l'apprécier pour ce qu'il est et de voir la richesse culturelle que ça représente. Sérieusement. La culture, c'est comme la confiture, on ne donne pas ses cochons de peau. C'est ça. Les pauvres sont obligés de regarder au sol pour pas marcher dans des étrons canins sur le trottoir. Bah ouais, parce qu'ils nettoient eux-mêmes leurs chaussures. Je te flanquerai une ZAD au Louvre pour leur faire les pieds, on colle la succursale au musée Louis Vuitton. Alors moi, dans mes propositions, si j'étais maire de Paris... Et Bertrand oui. Lanoé, je lui rends hommage parce qu'il a déjà fait beaucoup d'efforts en ce sens, mais il faudra en faire encore plus. Je suis pour que les beaux quartiers
de Paris, le 16e, le 7e et le 8e, respectent leur quota de logements sociaux par rapport à la loi SRU. Pour l'instant, ils sont totalement hors la loi. Monique, je t'aime. Qui est partant pour voter pour Monique, maire de Paris? Elle serait de la gueule, ça, franchement. Hein. Monique Pinson-Charlot, maire de Paris. Je suis à ça, si elle se présente, je suis à ça de déménager pour pouvoir voter. Hein. Je vous le dis tout de suite. Hein. J'ai des potes sur Paris, je peux squatter chez eux, il n'y a pas de problème. Hein. Franchement. Ça vend pas du rêve, ça. Vous imaginez un peu? Elle va obliger les gens à se mélanger socialement. Elle va ramener des précaires et des petits salaires et la gauche des allocs, elle va ramener tout ça à Paris, dans les beaux quartiers. Ouais. Faudrait que je puisse encore voter à Paris, mais on s'en fout, tu y retournes. Ça étant la légère mise de départ pour se loger sur Paris, je suppose. Ah, je suis sûre que dans le Gauchistan, il y a moyen de trouver des gens pour nous accueillir, pour faire un truc comme ça. On va obliger les riches à respecter la loi. Ouais. Vous voyez, ça vend du rêve tout de suite. Tout de suite, on se dit, mais oui, Monique, oui. Vas-y, Monique. D'ailleurs, il y en a un où c'est encore plus compliqué. Vous y consacrez un chapitre, Monique Pinson-Charlot, c'est du côté des Villas Montmorency, dans le 16e. On sait qu'ils luttent de leur côté contre des constructions de logements sociaux. Et vous nous disiez tout à l'heure que finalement, vous vous mettiez dans un hôtel pour vous imprégner. Là, c'est plus compliqué. Hein. D'ailleurs, vous aviez déjà sorti un ouvrage. Alors là, excusez-moi de vous couper. Oui. Justement, on a trouvé un hôtel qui nous, dans notre chambre, la chambre, je crois que c'était 69, je crois que c'était 69. Donne sur la Villa Montmorency. Oui, pour ouvrir la porte, c'est un peu plus compliqué. D'ailleurs, vous aviez écrit un ouvrage, Le ghetto du Gotha, sur ce lieu-là. Oui, on ne peut pas y rentrer, vous avez tout à fait raison. Dès qu'on met un pied, un tout petit pied, les gardiens qui font leur travail, et je ne leur jette pas du tout la pierre, vous en interdisent absolument l'entrée, parce que c'est le seul, finalement, à Paris. Honnêtement, je ne crois pas, je peux me tromper, mais je ne crois pas qu'il y ait un autre ghetto au sens vrai du terme, c'est-à-dire totalement fermé, totalement clos de murs, dans lequel on ne puisse même pas montrer le bout de son orteil. Un chapitre est consacré au métro et vous vous arrêtez notamment sur la ligne 13. Techniquement, je crois que ça s'appelle du communautarisme. Pardon, je me répète, hein. Je me répète. Mais c'est du communautarisme. C'est ces gens qui veulent vivre entre eux, qui envoient leurs enfants dans leurs écoles à eux, et après faire des études dans leurs écoles privées à eux. Je me gère. Ok. Tout ça, techniquement, ça s'appelle du communautarisme. Mais, étonnamment, eh ben là, on ne les entend pas, les macronistes, avec leur loi sur le séparatisme. On ne les entend pas. Alors quand c'est pour faire retirer des subventions à Alternativa, parce que mon Dieu, quelle horreur, ils font des stages de désobéissance citoyenne, là il y a du monde. Là, ce communautarisme-là, qui fait du mal à plein de gens. Parce qu'on est d'accord que tout l'argent qu'ils volent à la communauté française, ça fait du mal à plein de gens. C'est à cause de tout ce qu'ils volent. Qu'on détruit les services publics parce que eux ils ont décidé de détruire les services publics parce que eux n'utilisent pas les services publics sauf quand ils sont vraiment obligés, quand il y a pas de solution privée, tout ça, eux ils font du mal à tout le monde, autrement plus qu'Alternativa avec ses stages de désobéissance citoyenne, je crois. J'ai pas toutes les données, mais je crois. Mais non, le communautarisme, c'est pour les musulmans islamistes, ce sont juste des gens qui veulent être laissés tranquilles. D'accord. Ah, peut-être, c'est bien ce que je dis, j'ai pas toutes les données. Peut-être que je surinterprète. Peut-être. Mais je ne crois pas. Quel a de particulier cette ligne pour vous? C'est-à-dire qu'elle traverse les très beaux quartiers. Du Roc, Saint-François-Xavier, et puis qu'elle part jusqu'à Saint-Denis en traversant
la place de Clichy, la Fourche, enfin des quartiers extrêmement populaires. Et donc c'était amusant de proposer une promenade sociologique en invitant nos lecteurs à s'installer au départ à Châtillon. Et puis maintenant je crois que ça va plus loin, je ne me rappelle plus, parce que là toutes les lignes de métro maintenant vont beaucoup plus loin en banlieue, jusqu'à Saint-Denis, si c'est bien la fin de cette ligne-là aujourd'hui. Et puis d'observer avec nous les changements des passants qui montent et qui descendent, leur tenue en fonction des horaires, et puis toujours d'avoir dans nos petites têtes, dans le métro, ce qui se passe au-dessus. Salut Madouk. Alors c'est intéressant de savoir qu'au-dessus c'est les beaux quartiers, ou au contraire ce sont des foultitudes de gens très divers socialement, culturellement, ethniquement, qui sont au-dessus de vos têtes. Et puis de travailler sur la symbolique des stations. Quand vous vous arrêtez à Place de Clichy, automatiquement, vous avez quelque chose qui se passe dans votre petite tête qui est complètement différent de Saint-François de Xavier. Et donc, toute cette symbolique sociale, ben, pour nous sociologues, c'est un peu notre pain. Donc ça, bien évidemment, ça fonctionne avec les Parisiens qui ont l'habitude de prendre le métro. Parce que, en ce qui me concerne, à part quelques stations dont j'ai entendu parler, Place Clichy, on pense à Chouchou, par exemple. Enfin, mais sinon, la plupart des stations, je vois le nom, ça me dit rien. Donc ça marche bien pour les Parisiens, quoi. Enfin, je mette la main sur son bouquin, ça a l'air vachement bien. Mais ouais, clairement. Nourrissant. C'est la ligne qui symbolise donc le mieux la forme de mixité sociale. Oui, de mixité sociale, mais aussi de ségrégation en même temps, puisque on s'aperçoit qu'évidemment, les gens qui montent et descendent de Saint-François-Xavier, c'est pas du tout la population de la place de Clichy. Alors, je suis obligée de relancer parce que du coup, il y a le truc devant. Quand on vous lit, finalement, on se rend compte que la sociologie de Paris a beaucoup changé. Finalement, l'architecture, pas tant que ça. Ah ben, c'est-à-dire que c'est vrai qu'il y a un décalage, on appelle ça un effet d'hystérésis, entre les gens, nous qui passons 70-80 ans sur cette terre, et tandis que la pierre, ça peut rester des siècles, surtout si c'est de la bonne pierre de taille comme dans les beaux quartiers. Par contre, si c'est un espèce de torchis comme à la goutte d'or, évidemment la longévité est beaucoup moindre. Et donc ce décalage est intéressant, parce que les corps sont en décalage par rapport au social objectivé dans l'architecture et les formes urbaines. Et c'est intéressant de l'analyser en tant que sociologue. C'est pas tant en décalage que ça, parce qu'on rappellera ici que, de la même façon, la durée de vie des pauvres, l'espérance de vie des pauvres et l'espérance des riches, de vie des riches, c'est pas la même non plus. Donc ça veut dire que, historiquement, ceux qui avaient la durée de vie la plus courte vivaient dans des bâtiments dont la durée de vie était la plus courte. Et inversement de l'autre côté de l'échiquier. Donc là aussi, il y a une mise en perspective. Je connais assez peu les coins dont elle parle, j'étais de l'autre côté de Paris. Donc, Pigbull Mister, tu étais sur la carte de Paris, tu étais sur la zone en bleu, là où ça consomme moins d'énergie que sur l'autre zone là, qui est en jaune, orange, voire rouge. Place Clichy, notre station pendant 15 ans pour moi et 6 ans pour J14. L'hystérésie, c'est quand il y a un brusque changement. Elle faisait des compliments aux femmes trans, J14 bébé, en mettant les poitrines d'Anaï Gourmand. Tu m'en donnes. Quel plus bon compliment. Ce qui se traverse aussi à travers votre ouvrage, Monique Pinson-Charlot, c'est quand même, il y a encore comme des quartiers de corporation. Vous arrêtez longuement sur le sentier, vous parliez tout à l'heure des ébénistes d'Oberkampf. Il reste encore comme ça des petits îlots corporatistes finalement. Oui, mais qui sont très menacés. Hein, je ne donne pas cher au sentier pour durer encore très longtemps, surtout qu'il y a maintenant un sentier bis à l'est, plus à Aubervilliers. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, la capitale est désormais insérée dans ce qu'on appelle le Grand Paris, et on voit bien que toutes les anciennes fortifications qui existent toujours aujourd'hui avec le périphérique, que tout ça va éclater dans un Grand Paris dont je ne suis pas sûre qu'il sera mieux, dont les richesses de ce Grand Paris seront mieux réparties socialement que Paris, voilà.
Les mécanismes sont trop forts pour reproduire chaque fois dans l'espace les différentes classes sociales, les inégalités les plus importantes de notre pays. Monique Pinson-Charlot, on va passer à notre traditionnel questionnaire sur Paris. Oh, j'ai peur. BFM Business. Non, Monique, on est avec toi. Oh, n'ayez pas peur, on va rester autour de l'ouvrage. Quel est pour vous, Monique Pinson-Charlot, le quartier de Paris qui reste le plus authentique? Le plus authentique, ben, je dirais que ceux qui bougent le moins, ce sont les beaux quartiers de l'ouest de Paris. Enfin, si c'est ça que vous mettez derrière authentique, c'est les beaux quartiers de l'Ouest qui sont le moins dans l'évolution, qui sont restés dans leur jus. Et votre quartier préféré? Alors, qu'est-ce que je vous dirais? Montparnasse, j'aime beaucoup Montparnasse, j'ai toujours aimé Montparnasse. Qu'est-ce qui vous plaît à Montparnasse? Les Bretons! Voilà ce qui lui plaît à Montparnasse, parce que Monique, elle a du goût. Et je connais pas grand-chose de Paris, mais Montparnasse breton, ça c'est à qui ça? C'est à qui? Bah c'est à nous d'ailleurs. Je ne sais pas, les petites cours, ce qui n'a pas été détruit par une urbanisation extrêmement vive, et puis peut-être des souvenirs de jeunesse. Des années de travail, de longues balades dans Paris, vous le disiez Monique Pinson-Charlot. Est-ce que en préparant cet ouvrage, il y a quelque chose qui vous a vraiment marqué, qui vous a étonné, sur lequel vous êtes arrêté? Qu'est-ce qui vous a le plus marqué? Je dirais que c'est la diversité incroyable de Paris à l'échelle de la marche à pied. C'est-à-dire qu'on part du 16e arrondissement, c'est 9h du matin, et puis on file du côté de Barbès, on y est même pas 4 heures après, et en marchant dans cet espace, on a traversé toute la société. Et ça, c'est un plaisir pour des sociologues, mais même pour tout le monde. C'est un plaisir extrêmement profond que de savoir se poser, de marcher et de vivre la diversité des hommes. Salut Rincevent. Alors je connais pas le spot des Auvergnats. En revanche, Montparnasse breton, ça j'ai bien retenu, j'ai vraiment bien retenu. En même temps, quand tu écoutes un breton, la Bretagne, ça va jusqu'à Vladivostok. Tu parles que de l'extrémité est. Les Auvergnats arrivaient par la gare de Lyon. Oui. Le sage a dit, jette un cueillon en l'air, il retombera forcément sur la tête d'un breton. Dis donc! Pour le coup, les Bretons, ça s'est connu. Les Auvergnats n'étaient pas plus proches de gare de Lyon. Je pense, hein. Je pense. Il y a une autre. Il n'y a pas une autre gare aussi pour les Auvergnats. Parce que Vauquier était à fond là-dessus il y a quelques mois. Je ne sais plus. Austerlitz? Ok. Ok. Ouais, mais il me semblait qu'il y avait deux possibilités. Ça vous remet à votre place. Du coup, en faisant ça, vous réfléchissez sur votre propre place dans la société, sur votre propre posture vis-à-vis de vous-même. Et au final, moi, je trouve que ce qu'on fait avec Michel, avec ses promenades sociologiques, c'est non seulement une façon de s'approprier les outils de la sociologie, mais c'est aussi un travail quasi philosophique, historique, bien sûr, géographique, mais aussi avec des dimensions philosophiques. Par les conséquences que ce type de promenade entraîne. D'où ça vous vient, cet intérêt, cette passion pour Paris? Alors moi, je suis lozérienne, je n'ai pas quitté la Lozère, je n'avais jamais franchi la Loire avant l'âge de 18 ans, et j'ai donc découvert la capitale à 18 ans, et j'étais en Lozère, je connaissais tout le monde, forcément, je connaissais que des enfants de fonctionnaires comme moi, tout le monde se ressemblait, je ne savais pas qu'il y avait des ouvriers. J'étais ignorante à un point qu'on ne peut pas imaginer des choses de la vie. Et tout d'un coup, je me suis éveillée et c'était une nouvelle naissance. C'était quelque chose d'absolument extraordinaire qui m'est resté. Et quel est le monument qui représente le mieux Paris, selon vous? Ah oui, ça c'est toujours la Tour Eiffel. Ah oui, non, ça c'est vraiment le symbole même. Qu'est-ce qui vous agace à Paris? Les Parisiens? Ce qui m'agace, c'est l'embourgeoisement, par exemple, d'un...
d'un quartier comme Saint-Germain-des-Prés. J'étais jeune à 18 ans. C'est vrai que j'étais fascinée par Jean-Paul Sartre et Simone de Beauvoir. C'était parmi mes lectures favorites. L'existentialisme représentait presque une transgression par rapport à la vie que j'avais pu avoir en Lozère. C'était quelque chose, une aventure intellectuelle, quelque chose de très fort. Juliette Gréco, je m'étais mise à m'habiller en noir, à porter des sabots, un châle. Et puis de voir qu'aujourd'hui, il n'y a que l'argent, hein, que c'est Dior qui a détrôné une librairie, que Jean-Paul Sartre a une toute petite place, juste une petite pancarte, que désormais c'est le royaume des chaussures de luxe, des vêtements de luxe. Ah non, alors là je suis pas triste, mais anéantie. Merci Monique Pinson-Charlot. Paris 15, promenade sociologique, c'est donc paru chez Payot. Merci beaucoup. Merci à vous. Merci beaucoup. Merci. Alors il y a encore... Hop là. Non, elle n'a pas fait un « C'était mieux avant ». Juste, c'est juste, ils ont flingué ma Madeleine de Proust. Tous les Parisiens le disent, les quartiers de Paris sont en perpétuelle mutation, mais depuis un moment, c'est la paupérisation. Alors. Qu'est-ce qu'il y a comme site correct que je vous donne ça? Bon, tant pis, je vous donne le lien pour la fac et puis ça vous laissera la possibilité de chercher ailleurs si vous voulez. Et notamment d'occasion. Je pense que Monique ne vous en voudra pas si vous choisissez l'occasion. Mais comme ça, vous avez au moins la ref. Ah, gentrification. Quoi ? À Douarnenez, la maison du Queen a fermé, sérieusement ? Mais attends, Douarnenez, Douarnenez, c'est l'endroit de naissance du Queen Amman, non ? Il me semble. Ah ouais, je sais que normalement on dit Queen Amman. Je sais. Ça fait quelques années maintenant, quand même. Bah écoute, Douarnenez, c'est pas trop mon coin. On va pas se mentir. Donc, je remets le lien. Ce qui vous permet de voir Katia, hein, déjà. Et on va passer à la lecture. Storytelling du Queen Amman. non, mais je crois, écoute, je voudrais pas dire de conneries, mais il me semble. Hein. Douarnenez, c'est bien ça. C'est bien ça. Non, je viens pas d'admettre que je suis moins bretonne que toi, c'est juste que moi, c'est les Côtes d'Armor. Et alors, c'est très con, mais du coup, comme je vais pas souvent en Bretagne parce que j'ai pas les moyens d'aller en Bretagne, quand j'y vais, je vais voir ma famille. Enfin, ma sœur, maintenant, puisqu'il n'y a plus que ma sœur, puisque ma mère est morte. Et donc, je vais dans les Côtes d'Armor. Je passe un petit peu par l'idée vilaine, parce qu'on va régulièrement à Chamalot. Mais non, je connais... je suis allée une fois à Brest pour amener mon gamin à Mestrance. Et jamais dans le Morbihan. Nagual. Je vous demande de vous arrêter. Ça suffit, Nagual. Ça suffit. Ça suffit comme si.
Insupportable. C'est insupportable. Allez, puisque c'est comme ça, on va commencer la lecture. Voilà. Voilà. Allez, je suis fâchée maintenant. Pas sûr que les Côtes d'Armor appartiennent vraiment à la Bretagne, c'est un peu comme Nantes. Tiens. Nantes, on sait que nous... Ah, arrêtez, arrêtez, ça suffit, ça suffit. Ah, le plus beau coin de la Bretagne. Il y a, de ce que j'en ai vu par docu, photo, machin, tout ça, il y a de très beaux coins dans le Morbihan, on est d'accord. Mais il y a Bréa quand même. Quand même, il y a Bréa. T'en veux de la patate chaude, ouais. Non, moi, j'ai eu un gros coup de cœur pour Bréa, je dois avouer. Et d'autant plus que j'avais très envie de voir Bréa. Sinon, le Mont-Saint-Michel, c'est breton ou normand. Vous voulez pas que je lise, c'est ça, hein ? Dites-le, hein. Mais non, je ne suis pas objective non plus, hein, Pitbull Mister, on est d'accord sur notre non-objectivité. Mais Bréa, non seulement j'avais vraiment envie de le voir, mais en plus, la façon dont j'ai découvert Bréa, c'était carrément magique, en fait. Parce que donc, quand tu vas rejoindre la pointe de l'Arc Ouest pour aller prendre la navette, à un moment, le paysage s'offre à toi après un virage comme ça. Et ce jour-là, la marée était à mi-hauteur. Un temps magnifique. Et ça, non, c'était pas ça le miracle. Je vous vois venir. Mais la marée était à mi-hauteur. Donc, t'avais tous ces blocs de granit qui étaient disséminés comme, comment dire, je vais trouver une jolie image. Comme si on avait brisé un collier de perles. Et les perles auraient roulé sur un satin turquoise, avec Bréa au fond. Et là, vraiment, ça s'est offert à moi comme ça. C'est la première fois de ma vie que je chiale de beauté. C'était tellement beau que j'en ai pleuré, en fait. Et là, forcément, je ne peux pas être objective quand je parle de Bréa, parce que c'était une émotion très, très forte, très, très forte. Nord du Finistère, c'est mieux. La famille de mon ex allait se baigner à Noël, un îlot. Salut Michael Jackson direct. J'aimerais que tu lises comment ça je fous la merde. Cam Doc qui fout la merde, je trouve qu'il y a une certaine cohérence avec ton lore en fait. J'ai un pote dont l'arrière-grand-père a été le premier touriste à acheter une maison à Bréa. Et bah, bien ouais, le gars. Bien ouais. Oui, Groix, j'aimerais beaucoup, Groix. J'aimerais beaucoup, Groix. Maintenant, il râle sur les touristes qui viennent sur l'île tout gâcher. Ouais. Alors, hop, je finis mon installation. Hop. Oh là là, t'as vu sur Groix, là ? Je suis officiellement malade de jalousie, sache-le. Allez, je m'éclaircis un peu la voix, on va passer à la lecture. Hans Bardin. On en était au chapitre 8, Travail social, acte de résistance et de paix sociale. Depuis mon HLM au 14e étage, on peut pas tout avoir. Hein, oui. Moi, je suis en t-shirt. Et il n'y a pas le chauffage. La novlangue sert beaucoup dans la destruction des métiers. On essaie d'utiliser des termes qui vont de plus en plus du côté de la commande sociale et économique, alors que le métier est du côté de l'humain. Imaginez qu'on s'amuse à vouloir rentabiliser tout le domaine de l'action sociale. Ah, attendez, on me dit dans l'oreillette, quelqu'un indique que ça coûte un pognon de dingue, sans résultat, et en fait, c'est en cours. Je suis en pull, il n'y a pas de chauffage non plus. T'as un col roulé au moins. Donc imaginez ça, hein. Eh ben, c'est en cours.
CF, l'assistant social libéral de mon cul sur la commode, qui avait piqué 300 boules à quelqu'un au RSA pour soi-disant lui trouver un logement. Et 3 ans après, c'était toujours pas fait. Et comme il n'y a même pas... Il n'y a même pas d'obligation de résultat, et bah, dans ton cul, les 300 balles. C'est joli, c'est joli. Nous pouvons faire le lien entre l'homme et le citoyen dans les écrits de Jean-Jacques Rousseau sur le contrat social, par exemple. Cela me rappelle un texte que j'avais pu écrire après une longue discussion avec un de mes amis au téléphone, Pierre Leroux, un étudiant en pharmacie qui a pu m'apporter des données philosophiques. Un texte qui mettait en évidence que la solidarité ne pouvait pas être que citoyenne, mais aussi politique, à défaut d'avoir des carences sociales importantes, mettant en péril l'harmonie des êtres vivants et de la nature. 300 balles, un type au RSA, c'est immonde. Oui, oui. Moi, je vous garantis qu'il fait plus chaud de l'autre côté de la rue. Une fois que tu as traversé. La démocratie est l'expression de la solidarité citoyenne et politique. Nos sociétés sont déstabilisées par le pouvoir qu'engendrent l'économie et la finance. L'intérêt général et les biens communs ont du mal à prospérer. Les peuples ne se font plus entendre par un manque de légitimité des démocraties représentatives. Cette légitimité qui devrait permettre avec équité que le pouvoir kratos du peuple démos s'exerce. Et pourtant, nous sommes les 99%. Alors, manque de légitimité des démocraties représentatives. Pourquoi ? D'autre côté de la rue, c'est la chaufferie centrale, il fait au moins 50 degrés. Ah bah oui. Oui, forcément, ouais, c'est de la triche un peu. De l'autre côté de la rue, là, juste là en face, c'est un parking. Bon. Donc, cette histoire de représentativité, moi je vois plusieurs raisons pour lesquelles ça manque de légitimité. C'est que, d'une part, la bourgeoisie fait en sorte de distiller son poison petit à petit en rachetant les médias, en ayant la main basse sur pas mal d'élus, et peut-être même de plus en plus. Parce qu'ils sont vénères, hein, ces dernières années, les bourgeois. Et de ce fait, le peuple qui aurait le plus d'intérêt à aller voter, donc le peuple, l'intérêt d'aller voter, c'est quoi ? Quand tu n'y vas plus, c'est de faire en sorte que les choses changent. Les gens qui sont pour le status quo, autrement dit, le statu quo, pardon, parce que l'autre c'est un groupe, c'est autre chose. Ceux-là, ils vont voter. Les droitos, les bourgeois, etc., etc. Eux, ils n'ont pas envie que ça bouge. Donc, ils vont voter, ils y vont massivement. Ceux qui auraient le plus d'intérêt à ce que ça bouge, c'est justement ceux qui s'éloignent des urnes de plus en plus, parce que les rares fois où la gauche arrive à passer, eh ben, la gauche, elle fait de la merde. Enfin, la gauche. Ceux qui se disent de gauche. Coucou François Hollande, ceux qui se disent de gauche. Donc les gens qui ont vraiment envie que ça change, les rares fois ils disent tiens là peut-être ça va changer, et bah plus ça change et plus c'est pareil. C'est pas étonnant qu'ils y aillent de moins en moins. Et le manque de légitimité vient aussi du fait que le monde politique est tenu par la bourgeoisie. Quand vous regardez chez les droitos, les gens qui sont à l'Assemblée, par exemple. Pas d'ouvriers. Hein. Pas d'ouvriers, il n'y a pas de chômeurs, il n'y a pas d'assistés. Et même chez les gens censément de gauche, il y a un discours contre les plus fragiles. Coucou Fabien Roussem. Donc tout ça, bah, plus ça va, plus ça entraîne une remise en question de la légitimité, forcément. Parce qu'il y a de moins en moins de gens qui vont voter, donc les gens qui sont élus représentent de moins en moins de monde. Le pauvre a perdu son duel face à la finance, c'est pas sa faute. Oui, oui, non, mais je dis pas que c'est la faute du pauvre, hein. Non, non, pas du tout. Appart au-dessus du cimetière, meilleur voisin jamais. Bah ouais.
s'est battu corps et âme, il n'a pas d'âme, on tape pas sur le physique, on a dit. Je ne dirais pas qu'il a perdu, je dirais que ça n'a pas marché. Le président Macron reporte le plan pauvreté à la rentrée. Cette rentrée-ci, vous l'avez vu passer, vous ? Bah non. Eh ben non. Il ne faudrait pas faire un foot à la Coupe du Monde. Ainsi, notre société souffre d'un grand retard politique sur les questions économiques et sociales. Changement de page. L'économie est mondialisée, mais sans la gouvernance qui va avec. On définirait alors la gouvernance comme la gestion des affaires économiques internationales au moyen d'organisations, de règlements. La gouvernance économique mondiale marque son envol en juillet 1944 avec la conférence de Bretton Woods, fixant pour objectif de mettre un terme au désordre économique au lendemain de la guerre. Et c'est rigolo la guerre parce que quand il y a la guerre, c'est bon pour les affaires parce que ça permet de vendre des armes et tout ça. Après la guerre, c'est juste après la guerre, c'est bon pour l'économie parce qu'il faut reconstruire. Parce que les armes, elles ont fait tout plein des dégâts et donc il faut reconstruire. Et les pays qui n'ont pas les moyens de reconstruire, eh ben, laisse petit, hein, je vais t'aider à reconstruire. Après, tu vas dépendre de moi. Et du coup, tu vas faire tout ce que je te dis. Je vais imposer ma culture parce que je suis le gendarme du monde. Et après la guerre, eh ben, tu te sers de l'idée de la guerre pour dire « Ouais, mais attention, alors pour plus qu'il y ait la guerre, il faut qu'on fasse tout ça et tout ça. » C'est super pratique, la guerre. Mais ne faites pas ça chez vous. Oh, la mairie entretient le cimetière aux herbicides. C'est illégal ? C'est illégal, ça ? Il n'y a pas moyen que tu portes plainte ? C'est bien fait aplatir ici, il a fallu reconstruire jusque dans les années 70. Donc, les États-Unis proposent ainsi un système de régulation à Bretton Woods en plaçant le dollar comme une monnaie pivot par sa seule convertibilité en or, permettant une fluctuation entre monnaies fixes. Néanmoins, l'effondrement du système de Bretton Woods en 1971 à cause du déficit américain dû aux dépenses de la guerre du Vietnam et de la conquête du Vietnam, impose au président Nixon de mettre fin à la convertibilité du dollar or, plongeant l'économie mondiale dans une dérégulation systémique dont nous connaissons les conséquences aujourd'hui. En 1976, les accords de la Jamaïque mettent en place un système de change flottant qui crée un désordre monétaire à travers des crises que la gouvernance ne semble plus capable de résoudre. Les bulles spéculatives les unes après les autres. Les choix politiques sont responsables du pouvoir donné à la finance. On se souvient bien que mon ennemi a un nom, il a une adresse, et Katia aussi, elle fait son petit tacle à François Hollande. Qui n'a pas envie de faire son petit tacle à François Hollande, à part peut-être François Hollande lui-même. Encore que, quand les gens lui reparlent du fameux livre « Un président ne devrait pas dire ça », je pense que même François Hollande a envie de tacler François Hollande. Nixon, c'est un peu le Palpatine du capitalisme, ouais, clairement. La démocratie au sein de notre société est fragilisée et se doit de retrouver sa légitimité qui renforcera la confiance envers les politiques. Le peuple y retrouvera sa citoyenneté et ainsi sa liberté. Intrinsèque à sa nature. La société peut ainsi être définie comme un ensemble plus ou moins vaste d'individus entre lesquels existent des relations organisées. Ah oui, pas de nouvelles de ta plainte de 2019. Ok. Et j'imagine que même en remontant jusqu'au procureur, ça donnera rien. Est-ce qu'on peut pas dès lors parler d'une bande de salopards, Gigi Lou, par chez toi ?
Je voudrais pas avoir l'air de juger, hein, mais c'est un peu la définition qui me vient à l'esprit, en fait. Aristote écrit dans son ouvrage La Politique que la cité est naturelle, car l'homme est un individu politique. Un individu politique et un individu grégaire, également. Or, à partir du moment où on vit à plusieurs, on établit un fonctionnement. C'est quelque chose de logique. Je ne parle pas forcément de règlement, mais en tout cas un fonctionnement. La vie sociale serait ainsi une condition du bonheur humain naturellement ancrée en lui. Un des mouvements politiques, la France insoumise, propose alors de se réapproprier le pouvoir par une démocratie participative que créera la VIe République. La VIe République, c'est moi. Vous-même, vous connaissez. Cela repose sur la permanente conscientisation et éducation citoyenne de tous les membres de la société, aussi vulnérables soient-ils. Salut Titsab, bienvenue. Est-ce que ça pourrait être pas considéré comme un droit ? Parce qu'on parle du droit à l'éducation, mais quand on parle du droit à l'éducation, on pense plus à l'éducation scolaire. Lire, écrire, compter, avoir des références culturelles, etc., etc. Mais est-ce que l'éducation citoyenne, ça ne devrait pas être un droit également ? Est-ce que ça ne devrait pas être un droit qu'on donne à tout le monde, les outils pour comprendre le fonctionnement de la société, le pourquoi de ce fonctionnement, le ce qui ne va pas, le ce qu'on pourrait arranger, le ce qu'il est important de garder ? Est-ce que ça ne devrait pas être un droit ? En fait, l'état de la pauvreté, des exclusions ne fait que s'accroître à tous les niveaux, national, européen et mondial. Rappelons-nous que même ceux qui sont pauvres ici sont quand même plus riches que ceux qui sont pauvres ailleurs dans le monde. C'est compliqué à entrevoir quand on fait partie de ceux qui sont les plus pauvres. Mais c'est le cas. C'est déjà un devoir de connaître la loi, alors filez-nous les outils, bordel. Oui, oui, en plus, oui, t'as raison. Nul n'est censé ignorer la loi. Mais comment veux-tu qu'on n'ignore pas la loi si personne ne nous donne la possibilité de la connaître ? Y compris parmi les plus vulnérables de la société. Avoir des références culturelles de droite, non. non, ça on fait pas. On fait pas. De toute façon, la droite s'organise très bien pour... quand on parle de la reproduction sociale de la bourgeoisie, elle n'est pas que sociale, la reproduction. Elle est également culturelle, patrimoniale, etc. Donc, eux, il n'y a pas de problème, hein. Les valeurs, les références culturelles de la droite, ça roule tout seul. C'est plus chez nous que c'est plus compliqué, bah déjà parce qu'on a moins de moyens. Et donc voilà. Pesticides versus déchets nucléaires, ça paraît un peu dérisoire par schéma. Ah oui, c'est vrai que... C'est vrai que t'es du côté de Bure. Si ma mémoire est bonne. Non mais ça c'est comme le coup de la présomption d'innocence, il me semble que c'est uniquement dans un cadre juridique, ou alors c'est ignorer dans le sens de mépriser. Ben, après, la loi, comme on dit souvent, il y a l'esprit et la lettre. Et on a très vite fait d'interpréter différemment, si ça peut servir ce que tu veux faire. Par exemple, imaginons, qu'est-ce que je peux prendre comme exemple simple ? Quand ils ont décidé d'abaisser la vitesse sur les routes nationales et départementales de 90 à 80,
Ils l'ont annoncé à la télé, ils l'ont annoncé sur les médias. C'est paru bien évidemment au journal officiel, comme tout texte de loi qui sort. Mais si tu es... On parle des parties, des personnes les plus vulnérables. Si tu n'as pas accès à ce genre d'informations, par exemple du fait de ta pauvreté, tout simplement, t'as plus de télé, t'as plus de connexion internet, etc., etc. Là, tu te retrouves à te faire prêter une voiture parce qu'il faut que tu te rendes à tel ou tel endroit. Peut-être pour trouver du boulot, on n'en sait rien, on ne sait pas. Mais si tu n'as pas été prévenu dans les premiers temps, parce que maintenant, je pense que tout le monde le sait, peu ou prou, et il y a des panneaux qui sont installés. Mais dans les tout premiers temps du changement de vitesse, les panneaux n'étaient pas installés partout. Si tu n'étais pas prévenu de ce changement de loi, bah tu te prenais ta prune quand même, parce que nul n'est censé ignorer la loi. Alors que tu pouvais très bien passer à côté de l'info. Enfin, très bien. Dans des conditions extrêmes, tu pouvais passer à côté de l'info. Mais la prune, tu l'as mangée quand même. Alors que les panneaux n'étaient même pas encore là. Donc, toi, par défaut, tu roulais pépou, tu tapais ton petit 90 normal, quoi. Moi, je vivais à l'étranger quand ça a changé. Quand je suis rentrée en France, je me suis fait avoir. Autre exemple. Quand tu es à l'étranger, tu ne penses pas forcément à surveiller les changements de législation qu'il peut y avoir dans ton pays d'origine. Quand j'ai passé un an en Espagne, j'ai rien suivi de ce qui se passait en France. Que dalle. Donc ça aurait été sur cette période-là, je me serais fait bananer pareil. Donc, le peuple, lui, veut parler d'égalité, fraternité, de liberté, mais aussi de paix, de développement durable, de droit, comme l'a déjà démontré la période insurrectionnelle de la Commune de Paris en 1871, marquant l'avènement de la République sociale. La détérioration généralisée a un coupable au niveau européen, la politique libérale d'austérité. There is no alternative. Cette politique qui fait que la pauvreté ne recule pas, elle se creuse dans tous les pays avec un sentiment d'injustice. Parce que, ouais, la politique libérale d'austérité, ok. Qui est-ce qu'on fait payer pour faire en sorte de... Alors déjà, il y aura moins de services publics et, rappelons-le, comme je le fais ici à chaque stream, le service public, c'est le patrimoine de ceux qui n'en ont pas. Donc ils sont encore plus défavorisés du fait qu'on fout en l'air le service public. Mais étonnamment, c'est pas aux riches qu'on fait payer la politique libérale d'austérité. Alors que l'austérité, ça veut pas dire on réduit toutes les sommes qu'on dépense, hein. Il est question d'équilibrer, de chercher l'équilibre entre les dépenses et les rentrées. Alors bah, tu peux très bien maintenir ton niveau de dépense qui te donne un service public de qualité. Et du coup, qu'est-ce qu'on fait ? Eh ben, on va prendre le pognon chez les riches. Ça tombe bien, ils en ont. Un multimilliardaire, vous lui prenez 90% de ce qu'il a, ça ne changera pas son train de vie. Un smicard, vous lui prenez 10% de ce qu'il a, il faut qu'il choisisse entre se loger et se nourrir. Pour les rêves culturels de droite, ça passe par l'éducnat aussi, ouais. Ne dites pas, mais j'ai jamais fait mon passage de 90 à 80. Maintenant, grâce au gauchistan, tu te tiens au courant. Ça sert à ça aussi. Ils s'en foutent, ils n'utilisent quasi pas le service public. Et oui, c'est exactement ça. Je vais chercher mes filles, mais je serai rentrée juste à temps pour le raid chez Klitsch tout à l'heure. Tu essayes d'influencer le raid à venir ? The no needs the yes to win the no. Quand ça tombe malade, ça file à l'hôpital américain Neuilly. Oui, oui. Quand ça fait des études, ça va dans une école privée.
Ou une université privée, pour les plus grands. Oui, c'est ça. Donc forcément, quand on voit que les riches sont de plus en plus riches et que les pauvres sont de plus en plus pauvres, oh bah dis donc, il y a un sentiment d'injustice. Oh, mais c'est incroyable! L'égalité est une chimère, on le sait trop bien, mais la lutte contre les inégalités est bien réelle. Oui, séparatisme encore, évidemment. Et oui, alors l'égalité totale, parfaite, etc., etc., c'est une utopie. On n'y arrivera jamais, parce que l'humain est ainsi fait. En revanche, pour moi, une utopie, c'est l'horizon vers quoi tendre. Tout en sachant qu'on ne pourra pas l'atteindre, parce que l'horizon ne peut pas l'atteindre, mais ça donne un cap. On peut très bien en être conscient et pour autant continuer vers ce cap, parce que ça vaut le coup de se diriger vers ce cap. Pourtant, avec des outils comme la répartition juste des richesses, nous pourrions réduire ces inégalités. Montesquieu, dans son traité de l'esprit des lois, énonçait que tout homme qui a des pouvoirs est porté à en abuser. Alors que l'oncle de Peter Parker a dit qu'un grand pouvoir implique de grandes responsabilités. Pas le même état d'esprit, hein. Et non, Marlène, c'est pas Spider-Man qui a dit ça. C'est l'oncle de Peter Parker. Tu y étais presque, Marlène. McKinney me vendait l'école privée et d'un seul coup, il me demanda mon avis. Moi, ton sec, la question se pose pas. Je suis pas de droite. Joli. Joli, joli, joli. L'État a donc un certain devoir d'exemplarité à assumer ce qui a été facilité par la mise en place d'une séparation du pouvoir empêchant un homme de détenir le pouvoir législatif, exécutif et judiciaire. Merci de rétablir la vérité pour Marlène. Ah mais moi si je peux lancer une petite balle perdue pour Marlène, je le fais mais gratos et en plus il y a le paquet cadeau et le petit ruban dessus. Mais également d'une présomption d'innocence pour assurer un système judiciaire le plus légitime possible dans le jugement des entraves commises à la société. Alors la présomption d'innocence... Ça dépend pour qui, ça dépend pour qui. Rappelons-le que la présomption d'innocence, c'est surtout pour les mecs riches qui font des dégueulasseries. Là, il y a la présomption d'innocence. Alors que, étonnamment, quelqu'un qui vit dans un quartier et racisé, qui plus est, là, la présomption d'innocence, en général, elle se prend un sacré coup dans la gueule. Ah, ok, ok. De ceux qui ont de Darmanin, ouais. Donc, Jashugan veut Marlène, ok. C'est ma faute, j'ai fait une invocation, c'est ma faute. Des fois, l'État enfreint son devoir en ne permettant plus aux individus d'entretenir des relations participant à l'établissement d'un bien commun. Cette infraction est notamment visible à partir du moment où une partie des individus d'une société n'est plus sur un pied d'égalité avec d'autres individus, selon des critères ethniques, religieux, sociologiques. Et alors, attention, parce que là, c'est pareil, hein. On est d'accord que ce passage-là, ça, c'est dans l'idéal. C'est dans l'idéal. Que normalement on est sur un pied d'égalité quels que soient les critères ethniques, religieux ou sociologiques, parce que dans la vraie vie c'est pour ça qu'on dit qu'on part sur une infraction, parce que dans la vraie vie c'est pas comme ça du tout, c'est pas du tout comme ça. J'en ai fait assez, Jashugan, parce que je me rends compte que c'est compliqué de me concentrer sur ce que je suis en train de lire en faisant Marlène. C'est peut-être pour ça qu'elle a du mal, finalement. C'est parce qu'elle fait du Marlène tout le temps. Donc, elle ne peut pas réfléchir en même temps.
est-ce qu'il ne serait pas là le problème? Il faudrait que Marlène essaie d'imiter quelqu'un d'autre. Et là, peut-être qu'elle pourrait réfléchir à ce qu'elle dit. Elle doit trop s'écouter causer. À l'échelle européenne, la solidarité entre les États semble disparaître. Non, c'est pas que ça semble disparaître. Hein. Coucou la Grèce. Hein, tu veux pas la Grèce? Tu crèves si tu fais pas ce qu'on dit, la Grèce. Ouais, ok, donc tu fais ce qu'on dit. Ah, le peuple, il a dit non, référendum. Tu fais ce qu'on te dit quand même. Hein, la Grèce, ok? Ouais, allez, bien sage. Tiens, su sucre. L'utilitarisme définit ainsi que l'homme est un être qui cherche avant tout son intérêt. La recherche de cet intérêt dépend néanmoins de deux paramètres que sont autrui et le temps. Et n'oublions jamais que la bourgeoisie, elle bénéficie du temps long. Salut Golavier. Du temps long au quotidien, parce que plus de loisirs, parce que pas obligé de lutter pour sa survie, mais aussi du temps long sur les générations. Eux, le temps, ils l'ont. Hein. Nous, on l'a jamais. On est toujours en train de courir d'une urgence à l'autre, que ce soit dans nos vies au quotidien, que ce soit par rapport à nos préoccupations au niveau de la société, au niveau de la planète, etc., etc. Nous, on court tout le temps, on court. Donc, que sont autrui et le temps, ce qui semble valider l'idée d'un lien entre l'influence des autres membres sur la société et les accords que l'individu va accepter de passer avec la société et lui-même pour assouvir son intérêt. Bentham semble fixer alors que pour atteindre son intérêt en société, le deuil d'une partie de sa liberté est inévitable. Ce qui est logique. La liberté des uns s'arrête là où commence celle des autres. L'individu y consent donc, témoignant qu'au final, tout peut être l'objet d'un contrat en fonction de son intérêt. L'esprit de... Quand on parle de contrat, c'est au sens imagé, bien évidemment, c'est l'accord entre les individus, qui peut être un accord tacite. L'esprit de concurrence qui règne ne pouvait qu'accentuer le problème. La réalité multiculturelle résultant des immigrations n'est pas toujours assumée. Alors que ça pose quel problème, finalement, que des gens arrivent d'un autre pays avec leur propre culture? Est-ce que c'est pas une façon d'enrichir la totalité de la culture d'un pays, le fait qu'il y ait des cultures qui viennent d'un peu partout? Et que ça fasse un melting pot? Ou un pot pourri si vous aimez le magazine Art et Décoration. C'est enrichissant quand il y a plein de cultures qui arrivent de partout. Salut Lionel. Sans ça, nous en France, on mangerait pas de pizza, on mangerait pas de couscous, on mangerait pas de pâtes, on mangerait pas d'hamburger, on mangerait pas de paella. La choucroute, ça dépend des périodes. On en serait tous au pâté croûte, quoi. Nous constations, une montée des violences xénophobes et racistes dans chaque pays à l'encontre des musulmans, des demandeurs d'asile, des Roms. La convivialité harmonieuse entre les États ne peut se faire que par le biais de la tolérance et de compromis interculturels et identitaires. Cette notion de compromis est fondamentale puisqu'elle est à la base de notre conception de la société, qui repose notamment sur la théorisation de Rousseau sur le contrat social, où nous acceptons de remettre à l'État une part de nos libertés les plus fondamentales pour que la liberté de chacun soit respectée. Aussi, il faut dire que les situations de violence et de guerre n'ont pour véritable responsable que la nature économique qui fournit la haine de l'autre, que la concurrence économique qui nourrit la haine de l'autre. Je suis parti, je ne sais pas où là, pardon. Et le problème est bien dans l'autre, puisqu'au final, l'autre est tout ce qui n'est pas moi, comparé à autrui, qui désigne l'autre en tant que personne humaine et donc en tant qu'alter ego. Soyons altruistes, justement. Autrui serait donc à la fois un autre moi et un autre que moi. L'objectif ne serait-il pas alors que l'autre devienne autrui?
Avec notre train de vie actuel, la surconsommation de nos industries pousse notre mère nature à sa destruction. Alors, je pense que je vais te poucave Francfort 42. Si jamais tu regardes, là, je t'en mets un deuxième, c'est cadeau. Et va te faire cuire le cul sur une plancha froide, ça durera plus longtemps. Salut. Si toutefois ton message était du premier degré, ce que j'ai l'impression que c'est. Donc va te faire foutre. Bisous. Je peux vous le montrer, attendez. Oui, c'est vrai, je garde ça pour moi, égoïstement. Alors qu'en fait, quitte à le poucave, je peux vous copier son message dans le chat. Cette espèce de Sakam qui dit « Pendant que la gauche regarde les streams toute la journée, l'homme blanc hétéro se lève le matin pour construire des routes, des ponts et des écoles. » Voilà, vous comprenez pourquoi c'est parti en doigt tout de suite. C'est j'ai un réflexe de hop, ça se dégaine tout seul. Je pense que c'est au niveau des tendons. Je dois avoir quelque chose qui fait que pop, pop comme ça, pop. Non, puisqu'il est là à t'envoyer le message. Oui, oui, oui. Non, mais il m'envoie le message pendant qu'il construit des ponts, des routes et des écoles en tant que comme blanc hétéro qui ne regarde pas des streams. Ça se trouve, il n'a pas regardé, en fait. Il n'a pas regardé. J'ai bossé à la Scrag après mes études, le temps de trouver du boulot. Non, puis de toute façon, ne gaspillons pas plus de temps avec ce sac à main. Continuons la lecture. Parce qu'après tout, s'il a que ça à foutre, moi ça me permet de faire un petit doigt à un connard de temps en temps, et ça, ça fait toujours plaisir. Donc, je disais, avec notre train de vie actuel, la surconsommation de nos industries pousse notre mère nature à sa destruction. Nous poussons notre mère nature à sa destruction. Nous, l'humanité. Les ressources naturelles s'épuisent chaque jour par la déforestation massive, la surexploitation des pêches, les pollutions d'air, d'eau et de sol, etc., etc., etc. Le changement climatique en est la conséquence finale. La planification écologique, pilier de l'écologie sociale, devient alors nécessaire. Notre avenir en commun... Katia, je te vois avec ton placement de produit. Je te vois. Notre avenir en commun repose ainsi sur la constitutionnalisation de la règle verte, ne pas prélever davantage à la nature que ce qu'elle peut reconstituer. Tac. Insulter un faf par-ci, par-là, ça permet de garder le teint frais. Oui, bien sûr. Bien sûr. Insulter un faf tous les matins éloigne le médecin. La prise de conscience a quatre urgences. L'urgence culturelle, l'urgence environnementale, l'urgence économique et l'urgence sociale. Surtout que ceux qu'on trouve le plus sur les chantiers sont rarement des hommes blancs, mais bon, oui. Oui. Il est ban de partout. Good job, Nagual. Surtout si c'est le médecin qui est étrange. Daily routine, oui. Suivez-moi pour plus d'astuces beauté. Santé, pardon. Suivez-moi pour plus d'astuces santé. C'est ton teint frais qui m'a matrixé. Ces quatre urgences doivent être intégrées dans une vision globale du monde. Merci Caillouette pour ton follow et bienvenue. La réponse aux enjeux contemporains viendra de la réponse conjointe à ces problèmes. C'est pas une pomme par jour qui éloigne le médecin. Bah oui, mais si tu n'as pas de pomme sous la main, tu insultes un facho et ça te détend, c'est bon pour ta santé et ça éloigne le médecin également. Et là, j'ai pas de pomme.
Donc insulter un facho, ça marche bien. Tu peux faire les deux. Tu manges une pomme et tu insultes un facho. Et tu manges les riches aussi. Tu as, les hommes blancs n'aiment pas les jobs avec pénibilité comme le ménage et les aides-soignantes. Ben non, ben non, ben non. Ben non. Chez nous, à la COGIP, on fait gaffe à ce que le boulot soit pénible pour tout le monde, à chacun selon ses capacités. Est-ce que ça se mange le faf s'il est riche? S'il est riche, parce que si c'est un facho qui en plus est pauvre, il y a une espèce d'aigreur qui donne un sale goût à la viande. Donc, Reprenons. Et donc je vais reprendre ici parce que j'ai l'impression que j'ai raté des trucs. Vous ne m'aurez pas, vous ne m'aurez pas. Ces quatre urgences doivent être intégrées dans une vision globale du monde. La réponse aux enjeux contemporains viendra de la réponse conjointe à ces problématiques. J'en étais là. Ceci, pour que notre société ne soit plus un collectif où le tout égale la somme des parties, mais une communauté où le tout est supérieur à la somme des parties. 1 plus 1 égale 3. Le traitement de ces causes renforcera notre démocratie, notre vivre ensemble et nous apportera la paix. Parce que, étonnamment, si tu fais en sorte qu'il y ait davantage de justice, eh ben ça va mieux. Ça va mieux. Et de justice notamment sociale, mais pas que. Oh, c'est le raid. Merci, Cayoute. Bonjour tout le monde, soyez les bienvenus. Ici, c'est la chaîne de la gauche qui se donne de la force et qui banne des faffes et qui éventuellement les insulte comme ce fut fait il y a à peu près 5 minutes. On est en train de lire Les patates chaudes, un livre de Katia Yacoubi, qui est une travailleuse sociale et néanmoins insoumise, qui exerce du côté de Marseille. Et ben j'espère que tout ça va vous plaire. Et coucou, salut Tiffen, salut Cayoute, merci pour le follow Tiffen et Abracab, ou Abracabé, tu me diras si j'ai mal prononcé. Et merci Vlamar aussi pour le follow. Faites comme chez vous, prenez vos aises, ici c'est le gauchiste, hein. Ici on est bien. Ici, à part manger des bourgeois et bouler les fachos, on est sympa, on est sympa. Donc, où j'en suis-je? Il y a une faiblesse dans les réactions politiques. Oui, je crois qu'on peut dire ça. Je crois qu'on peut le dire. C'est la gauche Bretagne en plus, oui, bien sûr. On kiffe les cochons d'Inde. Oui, oui, oui. Je ne suis que l'animatrice de la chaîne de Balrog, que vous pouvez voir sur le côté de l'écran. Donc les réactions politiques, elles n'ont pas été à la hauteur des enjeux et ne sont donc pas responsables face aux urgences déclarées. Alors, ne sont pas responsables, c'est pas pas responsable dans le sens où c'est pas leur faute. Hein. Elles sont irresponsables, c'est dans ce sens-là. On le voit bien lors des prises de décision concernant le nucléaire, par exemple. Nos politiques ne croient que par une seule science économique, la méthode libérale, qui amène hostilité entre les peuples par le chacun pour soi et creuse les inégalités par la concurrence qu'elles défendent. Parce que oui, le chacun pour soi, étonnamment, quand d'un côté on a des très riches et que d'autre côté on a les très pauvres, l'égalité c'est un peu dans notre cul quand même. Un petit peu, je vous le résume, hein, mais on est aussi de la très très gauche qui mange du bourgeois, qui milite fièrement, yes. Yes. On aime ça. D'ailleurs, faudra un jour, Nagual, que tu nous fasses un tuto, toi qui aimes bien cuisiner. Tu nous fais enfin un ou des tutos avec les recettes de Nagual pour cuisiner les bourgeois. Parce que ça va quand même pas faire tout le temps en barbecue, quoi. Salut Cayoute, merci. Et merci pour le raid, et merci et tout ça, et tout ça. Et bonne fin de journée, j'espère que ton stream s'est bien passé. Nonobstant. Et suivez Cayoute, hein, les gens qui ne connaissent pas encore. Elle est très gentille. On est très bien accueillis chez Cayoute. Donc,
ces politiques ne sont pas progressistes, elles ne pensent pas à venir. Bah non, parce que, en fait, quand tu es pro-capitalisme, le capitalisme ne vit que par la destruction. Et la destruction, bah, on est d'accord qu'on est dans un écosystème fini. Le capitalisme n'est viable que si on était dans un écosystème infini. Les calculs ne sont pas bons, Kevin. Donc tu peux pas parler de capitalisme et d'avenir. Ou alors c'est que t'as rien compris, ou alors c'est que t'es un faux derche. Ça peut être ça aussi, et je pense que, selon les niveaux, il y a un peu des deux. Le Bernard Oppo, la Blanquette de Villiers, oui. J'aime cette créativité, j'aime, allez-y. Vas-y, dépensez-vous en créativité dans le chat et nous allons mettre au point des recettes gourmandes et croquantes et des recettes fraîches et hautes en couleurs qui provoqueront un double plaisir de se mettre à table, non seulement pour déguster du bourgeois, mais en plus de façon saine et équilibrée. J'ai un peu raté ma maïté, en fait. J'ai l'accent qui est parti ailleurs. Que chez la cuisine des mousquetaires. Allez Micheline, que nous proposez-vous aujourd'hui ? C'était mieux là, c'était mieux. Du Elon Melbas exotique. Ouais. continuons. On va pas commencer à parler de bouffe, hein. Sinon, vous savez ce que c'est. Ah, il y a un sondage. Mais c'est pas un shaming, c'est une ref. Ah, ouais, j'ai la ref. C'est le Kevin des paillettes. Hop. C'est le Kevin des paillettes. Arrête, c'est toi qui shame, Nagual. C'est celui qui dit qui est. Excuse-moi de faire des citations. Excuse-moi d'avoir la culture populaire, monsieur Nagual. Hein, pardon. Vous noterez que je dis pas mais après pardon. J'aime la ref au Régis. Oui, c'est vrai qu'il faudrait que je fasse plus de Régis, en fait. Bah oui, je râle, mais c'est un principe. Mais tu le sais que je râle. Je m'en suis jamais caché que je râlais. Attends. C'est pas comme si tu le découvrais, quoi. Ça va, hein. Bon. En plus, ça fait deux fois aujourd'hui. Hein. Donc, elles ne sont pas en phase avec les enjeux actuels. Ces politiques libérales manquent de courage par l'égoïsme qu'elles dégagent. Une médiation entre le peuple et les politiques doit s'effectuer afin de rendre possible des décisions accessibles au progrès de l'égalité et de la paix. C'est pas Rungis, plutôt. Bah là, c'était Rungis pour aller chercher les ingrédients qui permettent de faire la cuisine pour manger les riches. Mais sinon, c'est Régis. Nous avons ainsi choisi comme société celle qui est gouvernée par l'État. Il permet la coexistence des libertés à travers le consentement libre et éclairé des citoyens quant à la limitation de leur liberté propre. Lex a une mauvaise influence. Non. Non, je râlais avant Lex. Hein. Ne l'accuse pas, ce serait injuste. Ce serait pas sympa pour lui. Tu râles, ouais, à peine 5 sur Lex. Ah ouais, non, mais là, on a affaire à un professionnel. Hein. J'ai jamais prétendu... Moi, je suis une râleuse de loisirs. Je suis une râleuse amatrice. Lex, c'est le goat du râlage, donc... Non, loin de moi l'idée de me comparer, hein. Donc, alors le fait, la coexistence des libertés, quand on parle de consentement libre et éclairé, là, comme tout à l'heure, on en revient sur le principe de « il faut former les citoyens ». Toujours la même chose. Twitch4GBT a pas su lire les signaux subtils hier. J'étais pas là.
J'étais pas là à ce moment-là. Ou alors j'étais en lurk. Mais j'ai pas. Du coup, j'ai pas la ref, en fait. Donc, l'intérêt de l'homme serait d'auto-limiter sa liberté pour arriver à vivre ensemble. Le rôle de l'État est de déléguer à une institution ce qu'on ne peut pas faire sans être juge et partie. On délègue ainsi à l'État le droit de juger et le droit de contraindre. En effet, Max Weber dit que l'État a le monopole de la violence légitime. La fameuse violence légitime. Seulement, dans une société qui est tellement injuste que les gens ne refusent ce contrat qui permet la mise en pratique de la violence légitime. Il a été bandef en début pour pas avoir entendu Lex lui mettre un avertissement. Ah ouais. Non, au début, j'étais pas là, non. J'étais où, d'ailleurs? Je sais plus chez qui j'étais. Moi, je traîne sur Twitch et je sais même plus sur qui. Ça devient n'importe quoi. Je traîne chez des gens et voilà, je me souviens pas, quoi. C'est moche, ce que je fais là, c'est moche. Donc on délègue à l'État ce droit, car nous sommes avant tout libres. Une autorité plus forte que nous, cette structure va nous aider à vivre ensemble. John Locke envisage ainsi l'État avec la thèse libérale, selon laquelle l'homme naît avec des libertés dont l'État doit assurer son respect. Même si cette conception de l'État peut être perçue comme minimaliste, l'homme semble ainsi ne pas avoir d'autre choix que de se soumettre à l'idée de vivre en société et donc de consentir à voir ses libertés auto-limitées. Le contrat passé entre l'État et ses citoyens serait alors remis en question, les citoyens n'ayant pas à manifester une quelconque volonté ou un consentement personnel, puisque ce contrat leur est imposé. Il n'y a pas d'autre alternative possible. On nous fait un Tina. Moi, dis donc. La conception de l'État selon le Hobbes fixe l'absolutisme politique. À l'État naturel, il n'y a que des rapports de force. Alors, par contre, là, je ne sais pas si on va y venir, mais quand on dit l'homme est un loup pour l'homme, il y a une deuxième partie à cette phrase. L'homme est un dieu pour l'homme. Mais on sait toujours que ça. L'homme est un loup pour l'homme et le rôle de l'État serait en quelque sorte d'assurer la paix. L'État est certes puissant, mais le principal risque est alors l'oppression des libertés. 83 000 éoliennes, ça tiendra jamais sur le lac. C'est l'argent qui est le dieu pour l'homme. Salut, moi le plus beau, le plus fort. C'est l'homme qui a créé la notion d'argent pour donner une valeur aux échanges. Tant qu'on était sur du troc, il n'y avait pas d'argent. Un jour, l'homme s'est dit, alors le problème c'est que moi je lui ai donné une grosse calebasse comme ça, il m'a donné un petit caillou, je crois que je me suis fait avoir. Alors même que il avait besoin de ce petit caillou à ce moment-là. Donc il a été content de l'échange, puisqu'il a eu ce dont il avait besoin. Il a créé une chose qu'il dépasse, comme l'IA par exemple. Alors est-ce que c'est pas, tout autant que le rire, est-ce que c'est pas le propre de l'homme de créer des choses qui le dépassent finalement? Si on en est là, avec un tel état de la planète, de la société, etc., etc., est-ce que ce serait pas parce qu'on a tendance à créer des choses qui nous dépassent? Pardon, faut que je boive un coup. Je me rends compte que j'ai pas fait mon influenceuse aujourd'hui, ça va pas du tout, ça. Ça va pas du tout, du tout. Franchement. Hop. C'est là qu'on voit que je débute juste en tant qu'influenceuse parce que j'ai pas encore tous les réflexes tout le temps.
Et en fait, c'est pour ça. Donc, peut-être il faut que je prenne du temps pour boire, parce qu'il ne faut pas boire trop vite, sinon on s'étrangle. Ça y est, j'ai bu. J'aime beaucoup les messages subliminaux. C'est tellement discret. Ben quoi ? C'est peut-être ça, on a tendance à aller un peu plus vite que la musique. Ben, je crois qu'il y a plein d'exemples dans l'histoire. Hein, où ça a été... Alors les gars, peut-être on a merdé là en fait. Peut-être qu'on a merdé. Est-ce que notre histoire, l'histoire de l'humanité, ne serait pas en fait une suite de... On a créé des trucs qui nous dépassent. Si j'étais vraiment une influenceuse, une Marlène, j'aurais tourné la marque. Non, mais c'est pas une gourde, c'est juste une bouteille en verre, il n'y a pas de marque dessus. Oh là là, Steven Spielberg, qui follow. Ah, on a du gros nom là, attends. Merci à toi. Ok, d'accord. Alors, attends, parce que je le refais. Ça y est, j'ai bu, je te remercie. C'est sublime de boire. Bon, tu peux être sérieux là, alors, enfin. On crée des trucs en permanence et on les patch au fil du temps. Merci Octogame, merci. Ça se trouve, un jour, je vais rester coincé. Arrêtez avec ça, arrêtez. Déconnez pas. Donc, je sais même plus où j'en étais. Voilà. Je dis des conneries, après je sais plus où j'en suis, quoi. J'en étais là. Ce serait ballot, bah tu m'étonnes. Vous voulez savoir ce que c'est la tentation crumble aux pommes? Odeur délicieuse, mais trop chaud. Tu veux savoir ce que c'est la frustration? C'est de lire ce genre de message. Et savoir qu'on va pas en profiter. Donc, il y a alors une nécessité de l'État de s'auto-limiter, lui aussi, pour pallier toute dérive, sinon ça s'appelle du totalitarisme. Allez-y, essayez la dictature. Tout homme qui rentrerait dans une forme d'insurrection face au compromis de ses libertés dans ce contrat tendrait à disparaître car agissant contre son propre intérêt. La vérité est dans une solution médiane entre ces conceptions opposées. Nous voulons tous cela. Nous voulons de ce monde idéal où chacun serait épanoui. Katia, je suis désolée, mais je crois que non. Je crois qu'il y a des gens qui n'en ont rien à foutre que tout le monde soit épanoui, du moment que eux le sont, et peut-être même que c'est un kiff supplémentaire de savoir qu'il y a des gens qui galèrent, de savoir qu'il y a des gens qui crèvent de faim, de froid, tout ça, et de penser à ces pauvres couillons de pauvres qui n'ont pas réussi. Ils avaient qu'à avoir du mérite. Franchement, je pense que dans l'eau, il y en a qui pensent vraiment ça. Vraiment. Il y a des gens qui ne veulent pas être épanouis, ça ne les intéresse pas. Non, alors ça, en revanche, j'ai plus de mal à y croire, ça. Le fait de ne pas vouloir être épanoui, ça veut dire que tu as conscience que tu pourrais être mieux, te sentir mieux dans ta vie, et que tu refuserais ça? Non, je crois pas. Je crois pas. Peut-être qu'il y a des gens qui n'ont pas conscience de quelques leviers sur lesquels ils peuvent faire pression pour se sentir mieux dans leur vie. Mais refuser d'être mieux, c'est comme la fameuse phrase « j'adore rire ». Mais tout le monde est rire. Tout le monde aime rire. On n'a jamais vu quelqu'un qui rigole et puis qui n'est pas content de rigoler. Le fait de refuser d'être mieux, je ne sais pas.
je sais pas. Tu peux refuser de faire certaines choses qui techniquement devraient te permettre d'être mieux, mais si ces choses vont à l'encontre de ce que tu es, du coup, en les faisant, tu ne seras pas mieux. Je sais pas si je suis claire. Moi, je me comprends, ce qui est plutôt une bonne nouvelle dans l'ensemble. Mais je suis claire. Ah, cool. Refuser d'être mieux, c'est un peu dépressif. Alors là, je parle sous votre contrôle parce que je n'ai heureusement, je n'ai jamais sombré dans la dépression. Mais je pense pas que la dépression ce soit parce qu'on refuse d'être mieux. Est-ce que c'est pas parce que on n'a pas l'énergie ou l'allant ou la force d'aller vers le mieux? Je suis pas sûre que ce soit un refus en fait. Enfin, je sais pas, dites-moi ce que vous savez. Je dis bien que ça, je le vois de l'extérieur. Hein. Mais je suis pas sûre, en fait. Je suis pas sûre que ce soit un refus d'être mieux, la dépression. En quel cas, parce que sinon, ça voudrait dire que tu t'entretiens dans ta dépression volontairement. Et je sais pas. Il y a une part de ça? Non, vraiment, je me rends pas compte. Je me rends pas compte du tout. Dans la dépression, tu sais même plus que le mieux est possible. Ouais, moi, c'est plus dans ce sens-là que je voyais, ouais. Est-ce que tu te dis pas quelque part que le mieux, c'est un leurre? Et qu'en fait, c'est pas à ta portée, je sais pas. Si vous voulez en parler dans le chat, je suivrai vos échanges avec bienvenue. Parce que ça m'éclairera moi-même, en fait. Comme le sevrage des drogues et de l'alcool. Ouais, je sais pas. Je vous laisse échanger, puis je surveillerai d'un œil. Donc, mais nous n'avons pas les mêmes façons de lui donner corps. Les politiques qui affirment tendre vers cet idéal avec des méthodes contraires sont juste hypocrites. Des hypocrites. Alors, ceux qui affirment tendre vers cet idéal et qui font le contraire, c'est juste qu'ils ne tendent pas vers cet idéal, c'est tout. Les individus qui en sont les auteurs ne croient pas en la possibilité de réaliser leur objectif. Ils ne croient juste pas au pouvoir que le peuple leur donne. Pardon. En effet, un changement profond des traités européens est obligatoire pour appliquer un programme. La faute à la mondialisation qui est l'œuvre des connivences des politiques. Voilà pourquoi la démocratie s'affaiblit, le peuple ne croit plus en ses élus. Forcément, les possibilités des élus étant limitées par des phénomènes de contrainte. Construire une Europe des peuples est essentiel. L'union des forces humanistes à travers un mouvement maintenant le peuple en est une ébauche concrète. Maintenant le peuple, ce sont les élus européens de gauche. Comme, alors je vais certainement en oublier, il y a la France insoumise, il y a le mouvement de Iglesias. Eh ben, j'ai mangé son nom, dis donc. Il y a aussi l'équivalent du parti de gauche au Portugal. Et ça regroupe plusieurs pays comme ça. En fait, la dépression joue sur le fonctionnement de l'envie, donc c'est difficile d'avoir envie quand le mécanisme est érodé. L'ouverture internationale du marché a laissé sur la touche le pouvoir politique. Ce pouvoir est pourtant celui que le peuple peut exercer pour choisir son avenir en conscience. L'État n'est plus que l'ombre de lui-même face à cette compétition mondiale. Podemos, oui, merci. Merci, Mo. Les règles économiques et financières ne doivent pas s'imposer au fonctionnement des États, mais les servir.
Nous défendons ainsi une harmonisation fiscale, sociale et écologique. N'oublions jamais que la Révolution française a donné naissance à notre devise « Liberté, égalité, fraternité ». Déjà, mine de rien, si on appliquait cette devise, véritablement, ce serait une source de gros progrès social et culturel et éducatif et environnemental, et etc. Dans un monde de concurrence, cette devise n'a plus sa place. Elle a abattu le pouvoir monarchique, libérant le peuple de leur administration et des privilèges de la noblesse. Êtes-vous véritablement prêt à reculer en marche arrière? Je crois que c'est déjà le cas. Êtes-vous prêt à balayer toutes les luttes progressistes des masses populaires pour plus d'égalité et de partage? Je crois qu'ils sont prêts, qu'ils sont en train de le faire depuis quelques années. Rien que si on appliquait les droits de l'homme aussi. Ouais, ce serait bien aussi. L'idéologie néolibérale ne peut générer qu'un monde du chacun pour soi, bien loin de nos valeurs, de notre devise. La société actuelle est en effet à l'heure du relativisme. Le relativisme met en lumière le fait que le sujet n'accède au réel que sur le mode de l'apparition. Le relativiste pose le fait que nous n'avons accès qu'à des apparitions et qu'il n'est pas légitime d'affirmer en amont l'existence d'un être. En effet, puisque nous n'avons qu'un rapport au réel sur le mode de l'apparition, on ne peut pas légitimement dire qu'il existe un être derrière. Twitch, tu arrêtes de faire des messages visiblement uniquement visibles par moi. Voilà, si les gens veulent suivre, ils suivent. Les gens qui regardent le stream, s'ils ont envie de suivre, ce sont de grandes personnes aptes à prendre leurs décisions. Donc moi, je vais pas les emmerder avec ça, Twitch. Ça fait deux fois que tu me montres ton message violet qui pète tout, là. Tu me laisses tranquille, maintenant. Ça suffit. Il y a des trucs qui pop, là. C'est insupportable. Insupportable. Donc... je sais même plus où j'en étais. J'en étais là. L'individu est alors l'étalon unique de mesure des valeurs, et on est alors dans un système absolument immanent, puisque ce sont les hommes qui produisent les valeurs. C'est pour cela qu'il n'existe pas alors une vérité unique et transcendante. La vérité est un concept immanent, et il devient ainsi incohérent de croire en l'existence d'une universalité de lois scientifiques, vu que celle-ci repose sur une conception transcendante du monde qui nous entoure. Et c'est peut-être pas pour rien qu'il y a le gros rush des platistes ces dernières années. C'est peut-être pas pour rien que j'ai fait mes propres recherches. Surtout dans un monde médiatique où on sait que les gens nous racontent des conneries. On le sait, on le voit et on le dénonce. Alors, en plus, dans un contexte comme celui-là, bah oui, les gens remettent des évidences en cause. Il faut réexpliquer des notions qui normalement sont supposées être maîtrisées depuis plusieurs siècles. RIP les scientifiques. Grosse fatigue pour les scientifiques. Chaque homme définit alors sa propre conception de la vérité par les sensations qu'il tire du monde qui l'entoure. Et là, je vous rappelle un dessin que vous avez peut-être vu passer. Donc, il y a un gazier qui se tient devant une palissade, il regarde par le trou dans la palissade. Et il y a un type qui est à côté de lui qui lui dit « il fait beau ». Seulement le gars là, il y a une fuite de l'autre côté de la palissade, donc il voit de l'eau qui tombe par son petit trou de la lorgnette. Et lui dit « mais t'es en train de me dire des conneries, je vois bien qu'il pleut ». Sa sensation en lui, c'est qu'il pleut. Pour les plus vieux d'entre vous, autrement dit ceux qui ont mon âge ou plus, par le petit bout de la lorgnette.
je continue. Il s'agit alors de différences de perception de la réalité basées sur des ressentis propres à chacun, qui ne peuvent qu'être vrais. Le relativisme définit donc la subjectivité de l'incertitude. À l'opposé, parmi les tenants de la possibilité de connaître, une doctrine notamment soutenue par Platon, disciple de Socrate, soutient l'existence d'un cosmos des idées, c'est-à-dire d'un monde régi par un ordre harmonieux, que Platon nommera le monde des idées. Ainsi, Platon atteste d'une rationalité transcendante de ses idées, modèles. Il établit en effet comme certitude que la vérité est unique et supérieure à nous. Le petit rapporteur, oui. Donio se sent pas concerné, bah écoute, ça fait juste moins longtemps que moi que tu es jeune, c'est tout. Ouais, c'était le petit rapporteur. Mais j'ai des souvenirs que très vagues, hein, du petit rapporteur. Je sais pas quel âge j'avais, mais ça pissait pas très très loin. Hein. Autant le dire. De cette transcendance répondant bien que partiellement au problème, nous devons nous inspirer pour reconstruire un idéal républicain liant d'individus fracturés par un atomisme social sans nom. Donc atomisme, c'est la réduction, réduction en atomes. C'est-à-dire que là où il y avait avant des groupes, on a pété ça et il n'y a plus que des individus. C'est un truc qu'on dit souvent ici d'ailleurs. C'est ainsi l'essence du pari de l'écologie sociale, du nouvel humanisme, nous confronter à notre difficulté commune pour construire ensemble un avenir en commun. Katia, ça fait deux fois dans le même chapitre. Tu es coquinette. Enfin, je veux dire, j'ai un peu chaud, je vais me faire un petit peu d'air. J'ai l'impression qu'il y a un truc, un message que tu essaies de nous faire passer, Katia. Je vois pas trop, mais je crois que c'est récurrent parce que ça fait deux fois qu'il y a la même expression. Je sais pas, je me demande. Oui ? Quoi ? Non, rien ? Mais je continue la lecture. L'abondance devient rareté. Il s'agit d'une culture consumériste, un mode de vie et de pensée qu'on retrouve de partout, même au sein de nos relations sociales. La concurrence se nourrit par la publicité des médias, la surconsommation par le mérite, l'efficience, la réussite devient notre seule égalité des chances. Pour conclure, la solidarité ne peut être que citoyenne et politique à la fois. En effet, si elle n'était que citoyenne, l'auto-organisation serait dépourvue des responsabilités politiques qui encadrent notre société. Le chacun pour soi serait la norme. Une histoire de col roulé, quoi. col roulé avant l'heure, s'il te plaît. Précurseur, tout ça. Hashtag note Bruno Le Maire. Si elle n'était que politique, une autre dérive est à craindre, celle de la déresponsabilisation citoyenne. C'est pas moi, c'est les politiques qui font ça. Le vivre ensemble en fraternité les uns avec les autres pourrait mourir. Une société ne fonctionne que si tous les acteurs prennent leurs responsabilités. Il s'agit de la co-responsabilisation État-citoyen que nous défendons. Not all pullover, exactement. Nous devons chacun se réapproprier la politique. La politique ne doit plus être un tabou ni une charge, mais un outil de conscientisation nécessaire pour défendre ce que nous avons en commun. Je regarde où on en est du chapitre. Ouais, c'est bon, je vais pouvoir finir. Et comme je le dis souvent ici, la politique, c'est pas sale. La politique, c'est partout et c'est tout le temps. La politique, c'est tous les aspects de notre vie. Tout le temps, tous les jours, à tout moment. Tout n'est que politique. Et si vous vous occupez pas de la politique finira par s'occuper de vous. D'ailleurs, elle le fait tout le temps. Tout le temps, tout le temps. Et partout. Maintenant, il y a des politiques, au sens des hommes et ou des femmes politiques, qui sont sales, pour le coup. Là, on est d'accord. Mais plus on sera nombreuses et nombreux à faire de la politique, plus on gagnera en conscientisation de masse, et moins la politique sera sale.
Et la politique, c'est comme le service public, c'est à tout le monde. Une action d'auto-organisation citoyenne n'a ainsi de sens que si nous la politisons tous ensemble, en faisant que dans chaque lutte, tous les acteurs de la société se sentent concernés par la situation. Hop là. La solidarité est internationale, elle n'est ni de la charité ni de l'humanitaire. Il s'agit d'une solidarité qui ne soit pas auto-organisation ou résilience, mais bien la reconquête des pouvoirs politiques. Alors, je précise qu'elle a écrit ce texte avant que Zob ne fasse main basse sur ce mot. Et je pense que dans son esprit, elle a mis une majuscule pour donner de la noblesse à la chose. Mais du coup, cette phrase a mal vieilli avec la majuscule. Bon, c'est pas sa faute. Donc, mais bien la reconquête des pouvoirs politiques et économiques avec la participation de tous les peuples. Il s'agit de penser à l'échelle internationale ce qui peut s'expérimenter à l'échelle d'un pays. La citoyenneté est ce que nous pouvons faire ensemble, c'est le vivre en commun. Seuls, nous ne sommes rien. Ensemble, soyons tout. Petit clin d'œil pour l'international. Ce texte peut être difficile à lire. Non. Peut-être faudrait-il poser une RTT, prendre un Doliprane avant, mais le message, lui, est simple. La solidarité, auto-organisation, doit être citoyenne et politique à la fois, sinon ça ne marche pas. Les mouvements citoyens qui n'ont aucun impact sur la politique, c'est un peu comme quand on dit l'écologie sans la lutte des classes et du jardinage. C'est un peu ce principe-là qui s'applique. Le féminisme sans lutte des classes, c'est une réunion tupperware. Etc, etc. Faudrait vraiment que je refasse la liste. Une fois, j'en avais trouvé plusieurs à la filée, comme ça. Ce serait bien que je trouve la liste. C'est une nouvelle façon de faire société ensemble, car l'État est défaillant. Et dans le texte, j'explique pourquoi une auto-organisation politisée, politique vie de la cité, amène une conscientisation du peuple. Il redevient acteur et s'approprie de nouveau les questions politiques, pouvoir d'agir. Voilà une nouvelle manière de fédérer le peuple par l'action. Le pouvoir de l'action unit les gens par l'échange que la communication amène dans la bonne humeur et les amène vers une conscientisation politique. Une révolte pacifique, une révolte citoyenne, c'est de la résistance. Il y a Wisebot qui n'aime pas mon post-cours d'histoire. Ah. Essaie de me l'envoyer par chuchot. Parce que normalement, je ne devrais pas trop être emmerdé pour poster. J'ai eu un plaisir aussi à discuter avec une collègue de travail sur l'engagement collectif. Et cela nous a amené à mettre en évidence que notre travail est mis beaucoup plus à disposition des accompagnements individuels plutôt que ceux qui sont collectifs. Hop. En début de ce livre, je vous ai évoqué une ISAP, soit une intervention d'aide sociale à la personne, exemple avec Monsieur T. Il faut savoir que dans le cadre de notre travail, on nous enseigne aussi à faire des ISIC, intervention sociale d'intérêt collectif. Exemple avec l'intercollectif et la personne avec un handicap qui se réunissent autour d'une problématique commune, les punaises de lit. D'accord. Ah mais oui, bah oui, Madouk. Oui, Madouk, bah oui, parce qu'en fait, tout ce qui est Zob, etc. et compagnie, c'est j'ai paramétré de façon à ce qu'on puisse pas le poster dans le chat. Donc, y compris le mot reconquête.
Alors que si tu mets... Donc... hop. Si tu mets en espagnol... Donc là, c'est, je précise au chat, c'est le message que Madouk a essayé d'envoyer. Si tu le mets en espagnol, normalement, ça passe. Et oui, la Reconquista, c'est Isabelle la catholique, par exemple. Ah, la vache. Je commence à avoir bobo alors que ça fait pas 3 heures. Déjà, vive le bot en PLS. Oui. Oui, oui. Donc, les punaises de lit. Lors des stages professionnels, les étudiants sont censés avoir appris à mettre en place les deux méthodes, mais la réalité est tout autre. L'une s'adresse à une personne seule ou à la famille proche, et l'autre engage un travail collectif. Action collective, travail social de groupe. C'est-à-dire que l'on réunit des personnes aux problématiques semblables pour travailler en groupe. La méthode Kaminsky, non, c'est ça ? Quand vous allez dans telle ou telle partie de la ville, où vous savez qu'il y a un problème qui concerne la grande majorité des habitants, et ben vous tapez un petit coup de porte à porte et les gens vont vous parler d'eux-mêmes de ce problème-là assez rapidement. Et là, il s'agit non pas de faire les choses à leur place, parce que les gens sont tout à fait capables de se prendre en main, mais peut-être ne se rendent pas compte qu'en ayant tous le même problème, bah c'est plus facile d'agir tous ensemble, c'est plus facile de se faire entendre quand on agit tous ensemble. Par contre, vous pouvez les accompagner pour leur donner des conseils d'ordre juridique, des conseils d'ordre organisationnel, pour leur donner un coup de main s'ils veulent faire du tractage par rapport à leurs problèmes, des regroupements statiques, le contraire de la manif. Enfin, vous voyez ce que je veux dire, on s'en fout que ce soit pas le bon mot, qui a aucune importance. Donc vous pouvez faire venir votre réseau pour que les regroupements soient plus importants, plus massifs. Non, c'est pas sitting que je cherche, mais on s'en fout. On s'en fout, vous avez compris l'idée. Le travail social tend à négliger les ISIC de son champ professionnel par manque de temps et de moyens. Je prône ici la redécouverte des libertés collectives fondamentales, au même titre que les libertés individuelles. En effet, la politique sociale n'est plus seulement délimitée par des missions de protection et d'insertion des personnes et des publics ciblés. Elle doit penser à favoriser le faire corps ensemble, le faire société. Il existe des exemples de collectifs qui se sont formés autour d'une problématique commune et qui ont pu voir le fruit de leur revendication aboutir. Ma collègue du bureau, assistante sociale Laura Benedetto, m'a donné un exemple concret qui s'est produit dans un quartier populaire sur Paris. Dans ce quartier, les habitations d'un immeuble étaient chaotiques, notamment sur des problèmes qui pouvaient être très vite résolus. Non, c'est pas piqué. Rassemblement. C'est comme reconquête, c'est un mot qui me vient pas de suite, rassemblement. Je dois faire un petit blocage. Et c'est vrai qu'en général, quand je fais un blocage sur un mot, et encore plus sur un nom de famille, c'est que ça va pas. Lorsque les personnes sont seules, elles semblent résignées face à leurs problèmes qui leur semblent indépassables. Il suffit qu'une personne puisse vouloir mettre tout ce monde dans une dynamique pour qu'un mouvement puisse se mettre en route. C'est ce que j'ai fait, moi, quand j'habitais dans un quartier. Il y avait un problème qui était rencontré par tout l'immeuble et chacun gueulait dans son coin jusqu'au jour où tout le monde en a eu marre. Ça commençait à parler de... vraiment de violence, de trucs, de machin. J'ai fait oh là 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 là. J'ai attrapé deux personnes et j'avais pas d'imprimante, donc on a écrit tous les trucs à la main pour dire ce soir on se réunit à tel endroit et j'ai expliqué ce qu'on pouvait faire, ce qui était légal de faire et qu'il suffisait de nous choisir là ce soir des représentants
et les représentants pouvaient au moins entamer les démarches, même si après il allait falloir que tout le monde le fasse ensemble. Il a suffi de faire ça, de se regrouper, de faire une petite campagne de presse locale bien évidemment, et là, paf, ça s'est arrangé. Magique. Eh bien non, je n'ai pas de pouvoir magique. Au risque de vous décevoir dans le chat, peut-être que vous pensiez que j'avais des pouvoirs magiques, mais non, je n'en ai pas. Dans cet immeuble de Paris, les habitants souffraient de mal logement. Hop là. Des logements mal isolés, présence de cafards, des murs qui s'effritent, une ampoule à remplacer, des toilettes cassées. Un travailleur social est allé faire des porte-à-porte et demander à chaque habitant d'expliciter son mal logement, à expliquer son projet en impliquant des intervenants extérieurs comme les compagnons bâtisseurs dans cette démarche collective. Les compagnons comme les compagnons... compagnons du Tour de France, tout ça. Pour chaque habitant, la solidarité collective a pu répondre à 90% des problématiques soulevées. Bien sûr, cette méthode collective ne pourra pas répondre aux problèmes de logement dits majeurs. Ouais, compagnon du devoir, tu es choqué, Donio, je suis désolé. Oui, je comprends, ça peut donner l'impression que j'ai des pouvoirs magiques, je comprends. Je comprends tout à fait. Pardon, je voulais pas vous enduire d'erreurs tout plein partout. Je vous fais toutes mes excuses. Je vous présente toutes mes excuses. Cette intervention d'intérêt collectif a su remobiliser les habitants du quartier, leur permettre d'apprendre qu'ils n'étaient pas seuls, rompre leur isolement et développer le vivre mieux dans leur logement. Moi, je dirais aussi que ça a recréé un lien social dans le quartier, sachant que, comme on le disait tout à l'heure, plus on est fragile dans la société, moins on dispose de temps de loisirs. Et le fait de tricoter du lien social dans un quartier, ça demande du temps de loisirs. Ça, on demande. Alors que quand t'es dans la survie, dans la course, ou alors tu te fais tes 8 heures, en plus de tes 8 heures, t'as 1, 2, 3 heures de déplacement, parfois aller-retour, tu n'as pas le temps de tricoter du lien social dans ton quartier. Mais là, quand tu fais une action comme ça, il y a une forme de complicité, enfin en tout cas moi c'est comme ça que je l'ai vécu, il y a une forme de complicité entre les gens qui ont vécu ça tous ensemble. L'immeuble en question, là où j'ai fait cette action, il a été détruit depuis plusieurs années déjà. Pour autant, quand on se croise entre anciens habitants de cet immeuble qui ont participé à cette action, il y a un truc. Il y a le sourire qui arrive tout de suite. Il y a un reste de cette complicité alors qu'on n'habite plus du tout au même endroit. Ça crée des liens. Et le lien, c'est mieux pour agir, c'est mieux pour vivre, c'est mieux... pour créer des choses, pour se sentir mieux, c'est mieux dans tous les sens du terme. Ça, comme on disait tout à l'heure, ça permet que l'autre devienne autrui. Cette méthode interroge le développement social durable et est centrée sur le développement du pouvoir d'agir des personnes. Elle permet une prise en compte des enjeux de l'ensemble des acteurs concernés par un problème et la recherche d'intérêts multiples, individuels, communs et généraux, dans une œuvre de paix. La paix sociale représente l'obligation pour les associations patronales et les syndicats de résoudre les conflits à la table des négociations et de renoncer à des mesures de rétorsion telles que lock-out ou grève, ou séquestration, ou arrachage de chemise, ou récupération des montres libres pour les cacher dans la campagne. Nous sommes vus, nous les travailleurs sociaux, comme étant des acteurs de la paix sociale. Ces pompiers qui gèrent les urgences et permettent alors à la société, par les pansements qu'ils posent, de vivre en paix. Elle semble si fragile, la paix sociale, parce qu'on parle bien évidemment de pansements. Un pansement, ça ne guérit pas. Un pansement, ça ne soigne pas.
Et parfois, un pansement, c'est même juste un cache-misère. On se souvient de la révolte légitime des Gilets jaunes. Grâce à eux, j'ai pu avoir une prime de 1000 euros. On peut se demander alors si la paix sociale a un prix. Pour qu'elle soit durable entre nations et ou au sein de la nation, il faut une réduction des égalités et faire disparaître la pauvreté du paysage. On peut se demander si la paix sociale a un prix. Qui va payer ce prix ? À chaque fois, vous allez tomber sur un bourgeois qui va dire « Qui va payer ?» Et je ne saurais que trop vous recommander la réponse du Jules, c'est dans ces cas-là, c'est ton père, connard. Parce que c'est souvent ça. Si on veut éviter les révolutions, il n'y a pas d'autre solution. Alors, pourquoi éviter les révolutions ? Parce que dans les révolutions, bah, c'est avant tout les prolos qui meurent, en masse, avant de pouvoir obtenir quelque chose, quand ils l'obtiennent. Et en prime, la plupart du temps, c'est la bourgeoisie qui reprend la main derrière tout ça. Donc, l'histoire l'a souvent prouvé quand même. Lorsque notre travail, à nous les travailleurs sociaux, se situe dans la gestion purement économique, nous retardons sûrement les colères et les révolutions citoyennes en posant nos pansements individuels et collectifs. Mais nous ne guérissons pas la plaie. Fous-moi la paix Twitch, je t'ai dit que non. Trois fois qu'il me harcèle là, c'est bon. Hop. Notre place devrait être surtout dans l'accompagnement au bonheur, à la dignité, à la fraternité. Pour Rousseau, la paix ne s'oppose pas seulement à la guerre, mais aussi à la servitude. Elle n'est donc pas synonyme de tranquillité et se définit comme sûreté, à la condition d'inclure la garantie de la vie et de la liberté de chacun par toute la communauté. En ce 11 novembre, j'ai une pensée pour les 19 millions de morts, les invalides de la guerre qui nous rappellent que les discours de haine et de concurrence entre les peuples produisent le pire. La folie du capital menace la paix et prépare la guerre. Le capital ne vit jamais aussi bien que quand il y a une bonne petite guerre de ci, de là. On croit mourir pour la patrie, on meurt pour des industriels, comme l'écrivait dans sa lettre Anatole France. Et donc, fin de la lecture pour aujourd'hui. Et je crois que c'est pas mal de faire la lecture plus longue comme ça et d'en faire qu'une par semaine. Parce que du coup, il peut y avoir des choses dont j'aurais envie de parler dans la semaine hors lecture. Et ça me laisse peu de temps. Ou alors je le fais les jours où je lis, mais du coup, ça laisse pineuse de lecture. Et je dois cravacher et éventuellement dépasser le temps normal de stream. Ce qui n'est pas très bon pour ma santé. Hop, donc je vais faire comme ça. Je vais regarder un truc vite fait. Donc pour l'instant, je vous laisse sur cet écran-là. Pour des raisons de protection de la vie privée de Monsieur Chéri. Parce qu'il me semblait que j'avais partagé le truc et je le vois plus. C'est bizarre. Ça fait deux fois un peu de temps. Donc on en parlera plus avant jeudi. Mais vous vous souvenez, il y avait une pub l'autre fois pour les cafés joyeux. J'avais lu un bref article là-dessus, donc Café Joyeux, exploitation des gens qui travaillent dans les ESAT, etc. Qui était. En fait, c'était limite comme des machines à obéir, telles que présentées. Et bien, figurez-vous que Café Joyeux, en plus, il y a du sectaire dedans. Elle n'est pas belle, la vie ?
Je suis en train de vous choisir une chanson. Qu'est-ce que je pourrais... Oui, si, ok. Je sais ce que ça va être. Puisqu'il était question à l'instant de la guerre et de ses horreurs, ça me paraît approprié. On va faire comme ça. Göttingen. Les enfoirés. Mais non, c'est pas les enfoirés, c'est Barbara Göttingen. Bordel à cul de Satan. Attends, est-ce que c'est les bonnes paroles au moins? Ouais, il y a tout, ok. Alors. Ok, Donio, il y a moyen. Il y a moyen. Mais franchement, dire que Göttingen, c'est les enfoirés, mais s'il te plaît, quoi. Si les enfoirés chantent l'international, ça va être marqué comme étant une chanson des enfoirés aussi. Ça n'arrivera pas, ce sont des millionnaires. Ils ne chanteront pas l'international. Ou alors, si un jour on réussit vraiment la révolution et puis qu'on les menace, on dit « Allez, vas-y, chante là l'international, là, vas-y qu'on rigole. Allez !» Ce qui sera très compliqué parce qu'ils connaissent sans doute pas les paroles. Donc je m'éclaircis la voix et on va démarrer la petite chanson. Non, Gims, il a fait le temps des cerises. Sérieusement ? Mais. Mais alors? Mais non, je la suivais pas encore, Carbonara Gueule, mais c'est pas possible. Mais enfin. Moi, ce n'est pas possible, on m'en compte partir. Ah oui, Bella Ciao. Ah ouais, parce que. Ah, si en plus il avait fait le temps des cerises après Bella Ciao. Gim, c'est plutôt le temps des noyaux de cerises. Ouais, je pense, ouais. Torture d'un homme de droite chanter l'international. Allez, en attendant, Göttingen. Bien sûr, ce n'est pas la Seine, ce n'est pas le bois de Vincennes, mais c'est bien joli tout de même à Göttingen. Pas de quai et pas de rengaine qui se lamente et qui se traîne, mais l'amour y fleurit quand même à Göttingen. Ils savent mieux que nous, je pense, l'histoire de nos rois de France, Hermann, Peter, Helga et Hans, à Göttingen. Et que personne ne s'offense, mais les contes de notre enfance, il était une fois, commence à Göttingen. Bien sûr, nous avons la Seine, et puis notre bois de Vincennes. Mais Dieu que les roses sont belles à Göttingen. Nous avons nos matins blêmes et l'âme grise de Verlaine. C'est la mélancolie même à Göttingen.
quand ils ne savent rien nous dire. Ils restent là à nous sourire, mais nous les comprenons quand même, les enfants blonds de Göttingen. Et tant pis pour ceux qui s'étonnent et que les autres me pardonnent, mais les enfants ce sont les mêmes à Paris ou à Göttingen. Au fait que jamais ne revienne le temps du sang et de la haine, car il y a des gens que j'aime à Göttingen. Et lorsque sonnerait l'alarme, s'il fallait reprendre les armes, mon cœur verserait une larme pour Göttingen, la na 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 na. Mais c'est bien joli tout de même à Göttingen. Et lorsque sonnerait l'alarme, s'il fallait reprendre les armes, mon cœur verserait une larme pour Göttingen. J'adore cette chanson. On n'a pas besoin de connaître l'histoire des rois de France, il suffit de savoir rejouer la fin. La fin des Louis. Au fait, j'ai oublié de vous demander, est-ce que c'est plus fluide vidéotement parlant depuis hier, parce que je suis plus en wifi, je suis en filaire, donc normalement ça doit être un petit peu mieux. Hop, ouais, ça va mieux. Ah bah c'est cool, ça se trouve je vais pas autant galérer pour les prochains invités. Plus, je sais pas, mais c'est fluide. Eh ben, nickel. Hop. On va faire comme ça. On va préparer le raid pour Carbonara Girl. Tac. Donc, comme d'habitude, je vous remercie d'être venu. Je vous remercie d'être resté. Demain, c'est Monsieur Chéri. Donc demain, pas de stream. On se revoit, si vous le voulez bien, jeudi à 14h30. Où là, ce sera stream courant et truc de gauche. À moins que je fasse démo le jeudi et le stream courant le vendredi. Enfin, on verra. On improvise, on s'adapte et on donne mine. En attendant, cœur sur vous avec des fourches. Tout le monde reste à gauche, hein. C'est important. C'est important que tout le monde reste à gauche. On n'oublie pas que le service public. Hop là, pardon. On n'oublie pas que le service public, c'est le patrimoine de ceux qui n'en ont pas. Et donc, on en prend soin, on mange des bourgeois, on clash des fachos. Et le monde va progresser comme ça. Salut, merci.